Ok. Bonsoir à tous, welcome. Salut à tous, c'est Aidan. Bienvenue le chat. Bienvenue à tous. Salut la team Twitch, salut la team YouTube. Alors je vous le dis, la moustache elle a deux doigts de tomber, genre, mais vraiment. Donc si elle tombe pendant le live, vous me le dites, les gars. J'ai collé avec du double face, je vous mens pas. Ça n'a pas collé plus que ça, quoi. Voilà. America! C'est quoi le serveur? C'est Alza. J'ai fait une vidéo dessus. Ou au pire, un des modos mettra le lien. America. On est d'accord que là, il y a les modos. Alors, du coup, alors attends, les modos, répondez. Discord, juste. Je suis sur YouTube. Ok, Fejito est sur YouTube. Pas de souci. Et je crois qu'on a Nas, du coup, qui est sur Twitch. Parfait. I received 100 messages today, right stream. Ok. Les gars, je tenais à préciser un truc par rapport à ce qui s'est passé hier. En fait, je me suis rendu compte d'un truc. YouTube, désolé. YouTube, désolé parce que vous n'aviez pas une qualité qui était incroyable. Voilà, ça proposait du 720p. Donc, encore une fois, désolé les refs. Donc là, je vous ai mis normalement du 1080. Donc, j'espère que vous allez kiffer. La qualité sera nettement améliorée hein, comparée à hier. Et voilà quoi. Et voilà quoi. Et voilà quoi. Et voilà. Normalement, là, la qualité est pas mal. Hop. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon, c'est pas mal. Je partage le live, les gars. Partagez le live un peu partout sur vos réseaux, comme d'hab. N'hésitez pas à liker ceux qui sont déjà là. On est 140 là déjà. Vous pouvez liker la vidéo, évidemment. Je vais partager donc sur mes réseaux. C'est un truc que je fais pas souvent. Et franchement, Voilà. Hop. Partager et on va en RP directement. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, formation des rookies, les gars. Normalement, aujourd'hui, ça va bien se passer. Hop. Voilà. Ça, comme ça, vous savez. Et pour ceux qui sont sur Twitch, du coup... Je vais également partager. Alors. Tac. Ça va quoi, Twitch? Merci, les gars. Comme j'ai dit, hein, YouTube, les gars, si vous voulez plus kiffer le live avec une meilleure qualité, il faut aller sur Twitch. Après, si jamais vous voulez pas et vous voulez rester sur YouTube, restez sur YouTube. Mais je pense que dans pas longtemps, je vais full diffuser sur Twitch et mettre des rediffusions ici parce que je trouve qu'en fait, le problème... C'est que les gens qui veulent suivre le RP sur YouTube, vu que la rediff se met automatiquement, vous devez regarder toute l'intro. Je suis pas là, des fois quand je fais des pauses et tout, donc j'aimerais bien faire des vidéos quoi directement. Je trouve que c'est plus simple, genre des épisodes d'une heure à chaque fois. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais que vous allez être un peu déçus YouTube. N'hésitez pas à Twitch, c'est quand même plus une plateforme de streaming, comme je dis souvent. Hop, et voilà. Tac. Merde. Si vous pouvez mettre les modos. Fejito, si tu peux mettre le lien de ma chaîne Twitch dans le chat, comme ça les gens ils l'ont. Et je mets. Voilà. Écoutez les gars, ce que je vous propose c'est qu'on aille en RP. Et puis, écoutez, formation des rookies aujourd'hui, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, je lis le chat, je vois les deux chats, vous inquiétez pas. Et voilà, donc moi j'ai tout ce qu'il faut. Je vais RP, je lance le serveur, les gars. Je lance le serveur. Hop. Let's go, guys, effectivement. Let's go, guys. Alors, hop, malheureusement, je peux pas diffuser la musique là. Je sais qu'elle est quand même incroyable. Vous voulez un peu la musique, mais je me suis privé les droits d'auteur sur YouTube là. Est-ce que vous connaissez la musique là? Attention, attention! Attention! Elle est incroyable les gars. Meilleure musique. Ouais, ça va et toi, Paron? Ça va ou quoi, Pierrot? Paron Pierrot, comment tu vas?
Ça va quoi, Nas? Sinon, ça va quoi les modérateurs? J'espère que vous allez bien. Salut Zang, salut Seth Ultra, salut Noah, salut Lily, salut Jo, salut, salut, salut Lewis, Lewis sur Twitch, salut, salut, salut Ronaldo, on n'entend pas la musique, bah tant mieux, ça évitera les droits d'auteur. Juste dites-moi si vous entendez in-game, par contre, ça c'est important ça. Ah, est-ce que vous entendez in-game? Quand je marche là. J'ai pas envie de faire à chaque fois les réglages, mais des fois. Faut voir, on va regarder. J'en ai marre, des fois les réglages ils s'enlèvent, les gars. Je sais pas comment ils font les streamers à chaque fois. Pour que tout marche bien là. Non, vous entendez pas. Bah ouais, mais gros, c'est trop, c'est trop. Mais ouais, vous entendez pas, mais les gars, je suis pas sur la bonne scène. Vous êtes trop cons. Oh là là, mais les gars! Là, vous allez entendre là. Voilà. Là, vous entendez normalement. Les gars, j'étais pas sur la bonne scène, les gars. Faut me dire, moi. Quand je suis pas en full screen. Je suis pas sur la bonne scène encore. Mais c'est pas possible. Attends. C'est ça. Là, en fait, vous voyez mon truc, vous voyez mes tout en fait. Attends. Non, c'est pas capture de truc. C'est hier là en fait. Je sais pourquoi. Voilà, là vous voyez. C'est hier. Vous savez ça, c'est quoi les gars? C'est les gens là sur Twitch quand j'ai fait l'after Twitch. C'est pour ça. C'est bon, là vous voyez normalement. Attends, je remets juste mon chat, les dons, tout ça, comme ça je vois directement pour remercier évidemment les gens. Tac, c'est ça. Voilà. Perfecto! On peut enfin lancer. On peut enfin lancer. Alors j'ai essayé de demander les gars pour le téléphone. Donc le téléphone là, vous n'allez pas le voir malheureusement. De toute façon, je ne vais pas avoir des grosses interactions avec le téléphone, je pense, pour le moment. Mais malheureusement, vous ne le verrez pas. Donc ça, j'y peux rien en fait, c'est l'écran qui est trop grand. Donc voilà, et en fait le téléphone se met directement là. Malheureusement, je peux pas le déplacer et je sais pas trop comment faire. Voilà. Youssef, merci, merci Sainte Chris, merci beaucoup pour le sub, frérot, merci énormément. Je rappelle que vous avez le prime aussi, jamais. Mettez la commande, les modos, pour le prime. Comme ça, les gens qui savent pas, ils ont des subs gratuits. Au lieu de dépenser de l'argent, vous dépensez dans un Prime qui est totalement gratuit. Alors, par contre, pour le téléphone, je sais pas. En gros, on va voir si vous arrivez à le voir. Alors, attendez. Moi, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de voir si vous arrivez à le voir, en fait. Non, pense pas à ça. Regardez, hein. Ok, non, c'est pas. Affichage, voilà. Est-ce que vous voyez le téléphone, le chat là, si je fais ça là? C'est big, hein, mais. Ouais, non, vous le voyez pas. Putain. Vous voyez pas plus que ça en fait. Vous voyez un petit peu quoi. Alors attendez, on va peut-être trouver une solution. Parce que là, c'est très important que je fasse ça. Parce que du coup, les scènes avec. Ouais, mais du coup, ouais, ça décale tout. Ah ouais, non, ça va être dégueu. Ça va être dégueu. La vérité, ça va être dégueu. Là, vous voyez le téléphone. Le problème, c'est que là, vous voyez plus la map. Et du coup, le personnage n'est pas centré. Ok. C'est trop chiant, hein. Streamer avec un écran 4K géant, là, franchement, c'est la pire des erreurs. Bon bah tant pis les gars, vous verrez pas plus que ça, de toute façon les interactions... Ouais mais c'est bon, mais en fait le problème c'est que les gars vous allez pas voir la... En fait mon personnage va être sur la gauche. Et je vais trouver une solution, je vais trouver une solution plus tard. Au pire... Je réfléchis là, attendez je suis en train de réfléchir à l'idée là. C'est moi réfléchir 5 minutes. C'est bon, j'ai une idée. Mon respect mon capitaine. Bonsoir, vous allez bien? Oui, vous... Ah, Est-ce que mon écoutez, ça va très capitaine? bien. Je reviens à 5 minutes, je vais au téléphone. Hein. Oui, pas de soucis. Les affaires sont les affaires.
Le chat, c'est bon, je sais comment je vais faire. J'ai trouvé une idée révolutionnaire, bougez pas. Parce qu'après, vous allez me dire, ouais, j'ai pas. Attends. Je vais faire un truc. Le gameplay. No cam. Voilà. Merde, faut que j'ouvre le télé. Attendez, j'ai trouvé une idée de fou là. Les gars, vous allez me dire génie. Vous allez me dire génie. Est-ce que je l'ai mis? Ouais, c'est bon. Regardez. En fait, je vais créer une scène. Comme ça, j'aurai juste à switch. Le chat, je suis un génie. Dites, je suis un génie dans le chat là. Je suis un génie ou pas? Voilà. Regardez le génie que je suis. Bon, par contre, faudra bien me dire des fois. Voilà, ouais, Aiden, t'as oublié de mettre la scène. Hein. Regardez le génie que je suis. C'est-à-dire là, vous aurez les scènes. J'ai trouvé, c'est bon. Voilà. On va mettre téléphone couleur Mazentorno. Voilà. Regardez. Là, on imagine. Ok. Donc là, le chat, vas-y, faites la sonnerie, le chat, là. Merde, je vois plus le chat. Vas-y, faites la sonnerie. Faites des ding-ding dans le chat, là. Hop, on va faire comme si ça appelait, là. Voilà, regardez. Hop, là, j'entends pas. Le téléphone, il a pas sonné, les gars. Génie, génie. T'es un génie. Arrêtez de le dire, les gars. C'est vrai que je suis un petit génie. 480p. Pourquoi il a dit... Voilà. Ah, ah, ah. Attendez. Ah, je reçois un appel. Attendez. Ouais. Ouais, attends, je reçois un appel. Ouais, allô? Ouais, c'est qui? Oui, vous allez bien? Bah écoutez, ça va, ouais, ça va, ça va. Ouais, très bien. Bah écoutez, je vous envoie, ouais, je vous envoie une petite photo. Allez, bah les photos sont buggées. Les photos sont buggées, ouais. Ok. Très bien, bah ça marche. Au revoir, très bien. Au revoir le chat, merci. Hop! Retransition, scène, les gars. Je suis un génie, c'est tout. Je vois que ça. J'ai enfin... Ouais, la map, après, on s'en fout, les gars. Là, c'est juste pendant l'appel. On s'en fout de la map, là, en réalité. Il veut quoi, lui? Bonjour, vous allez bien? Respect, capitaine. Bonjour. Bah, mes respects également, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je viens de Deauville, je travaille ici. Ah, vous venez postuler? Oui, Ah, ok, exactement. très bien. Vous avez déjà été accepté en CV? On m'a accepté. On vous a accepté? Très bien. Vous appelez comment? Steve Gordon. Steve comment? Gordon. Gordon, très bien. Vous avez choisi un matricule? Oui, 56. Très bien. Bah écoutez, je vais. Vous avez été recruté ou pas encore? Non, pas encore. Ok, bah écoutez, très bien. Je vais juste faire ça. Alors attendez, je vous demande 5 secondes. On va se mettre en radio déjà. Voilà. Est-ce que ça l'a recruté? Très bien. Bah écoutez, c'est nickel. Je vais vous venez avec moi, suivez-moi au pire. Je vais. Hop, allez-y. Je vais juste refermer, allez-y. Hein. Ouais, il faut pousser assez fort. Hein. Voilà, c'est ça. Vous aimez bien l'Amérique? Ouais, j'adore ça. Alors, dites-moi, criez américain alors. America. Exactement. Ça, j'aime bien ça. Ça, vous marquez des points là. 63 prise de service. Escape, bonsoir à vous. Respect, mon encore là. 63. Mes respects, mon capitaine. Ah, j'aime bien ça. Respect, mon capitaine. J'aime bien quand il dit ça là, j'aime bien quand il dit ça. Oui, car. Exactement, je préfère qu'il. Attendez 2 secondes. Exactement, je préfère quand vous dites ça à la radio là. America. Alors attendez. Hop, je check juste un truc. Attendez, hein, parce qu'en plus là, la formation elle commence bien aujourd'hui, donc on gère tout ça. Il est où le commandant?
63 pour 70. Il n'est pas encore là, capitaine. 14, ben 63 pour 36. Voilà. Très bien, Bon, vous capitaine, êtes. je dis pas non plus. Il est là ou pas, non? Non, non, il n'est pas là. Ok. Vous êtes où du coup? En patrouille. Ça t'en pose, ça patrouille, ça dépend. Ok, merci. Ouais. Bah écoutez, le commandant y arrive. Donc, ce que je vous propose, c'est de patienter. 03 pour 63. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un dispatch? Ok, super, merci. Affirmatif, venez directement au commissariat. Bah du coup, asseyez-vous là, vous pouvez 4. vous asseoir juste 4 là. en arrêt. 4. Voilà, vous attendez, ça devrait arriver. Vous avez de quoi manger, à boire? Merde. Il va pas tarder, vous inquiétez pas. Hein. Attends. 67 pour un 10-42. 10-4. Hop. Ah, je vais faire un dispatch. Hop. America. America, effectivement. Tout le monde en salle, du coup. Hein. Mes respects. Mes respects, mon capitaine. America. Oh. Vous allez bien? Vous allez bien, vous? Vous allez bien, vous-même? Ça va très très bien. Allez-y, hein, rentrez question, dans la salle, on va faire 63. Un dispatch. Moi, je peux vous poser une question? Oui, y a pas de souci, je vous écoute. Et moi, je suis du BCSO, et actuellement, au BCSO, je suis le seul. Du coup, y a pas Rick je vais en Grims avec renfort à la vous. LSPD. Qui ça? Y a pas Rick Grims avec vous? Non, non, il est pas là. Ok. Ah, je l'appelle comme ça, et votre du coup, collègue, j'étais hier avec lui, c'est pour ça. D'accord, je vois. Bah, en gros, du coup, bah, je vais en renfort à la LSPD. Ouais, du ouais, coup, y a pas de soucis, y'a pas de soucis, ouais, vous inquiétez pas, y'a pas de soucis. Après bah, tout, je vous on juste travaille main dans la main. Comme ça. Et oui, on est solidaires. Et effectivement. On forme une famille. Exactement. Allez-y, rentrez, hein. Rentrez, hein. America. On est. Y'a que ça comme effectif là? Y'a que ça comme effectif? Affirmatif. Affirmatif. Ah, ok, très bien. Bon, aujourd'hui, ça va être la formation des rookies. Vous avez reçu votre le mail? Oui. Moi, je l'ai. Il y a certains, ils l'ont fait cet après-midi, mon capitaine. Oui, oui, je sais qu'ils ont. Ça a été fait, mais qui d'autre, du coup? Enfin, vous l'avez fait, vous? À moitié. J'ai fait le code radio et pas le reste. Très bien. Et derrière? Moi, j'ai fait radio. Arrestation. Ok, donc vous avez quand même fait un bon début, quoi. Oui, c'est ça. Vous pouvez baisser les bras, hein, vous inquiétez pas, c'est tout bon. Vous allez avoir des crampes. Bon, logiquement, aujourd'hui, vous avez dû bien manger, logiquement, non? Voilà, j'ai fait que ça, mon capitaine. Pas vraiment. Hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est toujours pareil qui. Hein. C'est qui que j'entends parler là? Je sais pas du tout, mais c'est bien gênant. Excusez-moi, y'a quelqu'un dans le tableau ou quoi? Ou dans le placard peut-être? Regardez parce que. La personne qui joue à cache-cache. Faut arrêter, hein. C'est vrai que. Bizarre. Alors. Continuez, capitaine. Vous voulez que j'aille le chercher, mon capitaine ou pas? Affirmatif, hein. Je pense que c'est 04. 04, vous êtes où? Oui, mon capitaine. 04. Je suis dans la salle de pause. Vous pouvez venir, qu'est-ce qui vous arrive là? Désolé, je vais t'assoupir.
Ah bah dépêchez-vous de rentrer dans la salle là, dépêchez-vous. J'arrive mon capitaine. J'arrive mon capitaine. Est-ce qu'il y a froid qui me flash dans les yeux? Quoi, j'ai dormi au poste, j'ai pas de maison encore. Dépêchez-vous! J'arrive mon capitaine. Alors... Fou lui. Ouais, il a une voix chelou à mort. Attendez, attends, je regarde un peu, je suis en train de régler 2-3 petits trucs à côté. J'étais endormi sur le canapé. Respect mon capitaine, désolé, je m'étais assoupi à côté. 04, prochaine fois, c'est punition. Ça soit bien oui, clair. Mais respect mon capitaine, désolé. Je veux bien que vous dormez ici, y a pas de souci. Mais vous vous réveillez à l'heure. C'est pas parce qu'on habite ici qu'on doit venir en retard. Mais respect mon capitaine. Alors je vais envoyer un mail au commandant. Hein. Attendez. Je crois avoir aperçu le commandant tout à l'heure. Oui, oui, il était là tout à l'heure, mais actuellement il est plus là. Ah, d'accord. Hop. Attendez. Hein. Alors, le chat. Donc aujourd'hui. Comme j'ai dit, formation des rookies, elle a déjà commencé. Donc voilà. Il y a un basketteur dans la salle. 18, je joue à la Chauva, bonsoir à tous. Oui, c'est Ayman. Alors, 18. Basket. Oui. America. Ok. Non, je suis pas 18, c'est 30. Ah oh ouais, d'accord, bon, lui il se trompe. Bonsoir, 30. J'ai cru. C'est mercredi après-midi au petit stade de tennis, hein. Au stade de basket. Vous êtes prié de connaître votre grade, 30. Bah moi je connais, j'ai juste dit 18 pour José da Silva. Sauf qu'on m'a dit 18. On a recruté des Portugais dans la police, je comprends pas là. On a besoin de travaux ici. Est-ce qu'on a besoin de construire des choses? Je comprends pas. Qu'on... Les apparemment, on doit construire des maisons pour qu'il y en ait qui puissent aller dormir. Faut bien regarder en bas. C'est ça, aller tout en bas, dernière ligne. On est. Ah, ils non, sont allés où là? Pourquoi ça va pas? Ils sont allés où là? Chercher leur tenue, mon capitaine. Ok. Bon, je les attends. Vous avez passé une bonne nuit, mon capitaine? Bah écoutez, j'ai dormi effectivement. Très bonne nuit. Très bonne nuit, assez courte parce que j'arrêtais pas de me réveiller en criant America. Vu que j'avais perdu ma couverture, elle est assez fine ma couverture en fait. Bah, je dors avec le drapeau américain. Donc, autant vous dire que voilà quoi. J'ai fait le même rêve, mon capitaine, sur le canapé à côté. Comment? J'ai fait le même rêve sur le canapé à côté. Ah ouais, vous aussi? Ouais, ouais. Ah, d'accord, ok. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce que vous avez utilisé le drapeau qui est derrière vous, là? Pardon, le drapeau qui est derrière vous, en tant que côte. Alors, effectivement, j'ai dormi avec ce drapeau, mais je l'ai remis à sa place. Ah, vous êtes très discret, monsieur. Ouais, effectivement. Bon, ils arrivent ou pas, Il est nul là. Je fais ça à call radio, mon capitaine. Ouais, négatif, je vais voir arriver. Ils sont là. Ok, tout le monde est présent. Je vais faire un call radio au cas où. On est d'accord que tout le monde est actuellement dans la salle de dispatch. Mes respects. Mes respects. Apparemment, oui. Ok, donc j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Donc je prie de bien m'écouter, d'accord? Concernant les voitures, il y a eu beaucoup de gens, on a vu avec le gouvernement. Concernant les voitures sans plaque, malheureusement, ça sera pas un signe où on pourra les contrôler. Voilà, il y a encore un retardataire! Rentrez!
Vous êtes en retard. Et il parle pas en plus. Il me regarde mais il parle pas. Discute. Discute. Pardon, mes respects mon capitaine. Désolé, j'étais dans ma tête, j'en arrivais en vie. Très bien, allez-y, mettez-vous en place là. Donc je reprends, je disais qu'il y a eu beaucoup de problèmes concernant, on a eu des retours concernant les contrôles abusifs pour non-plaque d'immatriculation. Alors à partir de maintenant, je veux plus voir ça. C'est noté, les plaques pour le moment, on est en train d'établir une loi là-dessus, c'est pas encore voté, donc on ne pourra rien faire malheureusement. Donc je sais que voilà, il y a eu des contrôles sur des voitures de luxe. Voilà, notamment, c'est vrai que les riches se permettent de ne pas mettre de plaque d'immatriculation, mais c'est pas un motif d'amende. Donc voilà, je préfère le préciser. Il pourrait nous raconter des histoires qui tiennent la route quand même. Comment ? À un moment, sa voiture venait du Qatar et ensuite elle venait du Japon. Donc, ouais, après, bon, c'est des riches, mais c'est pas un souci, je parle pas forcément que de cette personne. C'est en général. Donc voilà. Bien évidemment, je compte sur vous pour faire des contrôles légaux, que ça se passe bien et que surtout, on se fasse respecter, que ce soit bien clair. Ce qui s'est passé hier, où on se fait braquer, c'est inadmissible. Vous avez normalement tous reçu mon mail. Okay. 10-4. Voilà. Donc, à partir de maintenant... Nous, c'est la police. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un décide de faire une course-poursuite, vous avez évidemment, au bout de à peu près 5-10 minutes, autorisation de le PIT. Et bien évidemment, en toute sécurité. Il y a pris mon capitaine. Oui, affirmatif. J'ai vu que certaines personnes ici de gang adverses, nos ennemis, ceux qu'on n'aime pas, se permettre des choses que nous on se permet pas. Alors croyez-le moi ou non, on va se permettre. Notre but c'est pas de se laisser marcher dessus. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt d'avoir peur de nous. Et que ce soit bien clair. Je vais vous faire respecter surtout. Affirmatif. Affirmatif. Si vous avez des courses n'hésitez pas à faire des calls radio. C'est effectivement. Ça. Soyez stratégique. Un pilote et quelqu'un qui parle à la radio. Donnez le maximum d'informations. Apprenez les routes. Apprenez les panneaux, apprenez les lieux importants, la place des cubes par exemple. C'est un bon call radio, ça nous permet directement d'être dessus, d'aller dedans directement. Donc je compte sur vous. Plus vous allez nous informer, plus ça va être rapide et on va être efficace. C'est bien compris ? Bien pris mon capitaine. America. America. Oui mon capitaine. America. J'ai une question à vous poser. Oui, je vous écoute. Est-ce que les personnes, les rookies, ont reçu leur formation en code radio ? Parce que si vous faites passer formation, je pense que c'est une des formations principales à faire passer. Alors justement, parmi vous, il y a des personnes ici qui ont fait l'entraînement des rookies à 15h, il me semble, c'était prévu. Il y en a qui ont commencé. Est-ce que parmi vous, je vous ai donné un petit livre par mail, des codes radio à apprendre, 10-4, 10-5, etc. Vous les avez appris ou pas ? Oui, mon capitaine, affirmatif. Je n'entends pas tout le monde. Oui, mon capitaine. Ok, capitaine. On va faire un petit, une petite révision. Vous levez la main et je vous interroge. C'est bien reçu ? Oui, mon capitaine. Il fallait dire 10-4 ! Non, 10-4, c'est la radio, mon capitaine. Oui, mais là, on est sur un test, là, actuellement, justement. 10-4, mon capitaine. Voilà, on s'entraîne. 10-4, bien reçu. D'accord ? Alors, si je vous fais... Attention, on va jouer à qui veut gagner des matraques. C'est très bien ou quoi ? Alors, si je dis... Je me mets en code 1. Levez la main. Oui, j'écoute au fond à droite. Sans gyrophare, sans ni sirène. Exactement, ça c'est très bien ça. Vous êtes quel grade ? KD10. KD10, bien. Très bien, on va passer à un autre. Si je fais un code 99. Oui, j'écoute le premier devant là.
À droite. Demande de renfort urgente. C'était... Ouais, bon, c'est pareil. Mais c'est très bien, c'est exactement ça. T'inquiète. La prochaine fois, tu laisses... voilà. Parce que t'as l'air bien renseigné. Ensuite, si je fais un 10-23, j'écoute. C'est un agent... mon capitaine. Ah. Ah, j'écoute 0-4, je vous écoute. C'est un agent blessé, mon capitaine. Je vous ai dit quoi exactement? 10-23. Exactement, 10-23, agent blessé. Si je dis 10-30, j'écoute là devant à droite. Refus d'entamer. Exactement. Bon, moi je vous le dis direct, des fois les codes c'est très bien, mais de parler nettement c'est beaucoup mieux. Donc si jamais vous dites refus d'obtempérer, il n'y a pas de souci, ça passe avec moi. Le commandant, je sais pas, mais avec moi ça passe. Le commandant, ça passera aussi, je pense. On est, voilà, les codes radio, c'est important de connaître, on va dire, le principal. Après, si vous n'avez pas le choix et vous voulez parler, il n'y a pas de souci. Pour ça, je suis ouvert. Mais le principal et le plus important, c'est quand on a intervention, c'est le code 1, donc les 100 sirènes et les 100 gyrophares. Code 2 avec gyrophare, pas de sirène, très important, notamment dans des courses-poursuites, par exemple. Le code 3, qu'est-ce que c'est le code 3? J'écoute là derrière, là-bas, celui qui est le portugais, là. Oui, c'est gyrophare et sirène, mon capitaine. Exactement, ça j'aime bien. Ensuite, si je vous dis, par exemple, 10-5, j'écoute au fond celui qui est en retard. C'est quand on n'a pas compris un ordre. C'est plus... Non, alors, c'est plus en mode... Ouais, on va... Ouais. J'écoute 0-4. Alors, 10-5, c'est l'inverse de 10-4. Pour dire négatif. Exactement. Ça, vous allez nous l'apprendre, là, le retardataire. Hein. Mon capitaine. C'est-à-dire négatif. Vous dites négatif, entre guillemets. Ou non, c'est une réponse... voilà, c'est le contraire, quoi. Exactement, 0-4, c'est très bien. Bon, ça, c'est important de le savoir, d'accord? Maintenant, concernant les règles de sécurité, je vous rappelle que le but, c'est qu'on ait une famille. On doit veiller, vous êtes les yeux de ceux que vous voyez pas derrière vous. Donc, c'est-à-dire... Excusez-moi. Y a pas de souci, la table est solide, vous inquiétez pas. Alors, c'est-à-dire que vous patrouillez toujours à deux. Des fois, c'est possible qu'on le fasse à 3, à 4. Généralement, c'est toujours à 2. Et surtout, surtout, votre collègue, c'est votre femme. Vous devez toujours en prendre soin. C'est un mariage. Vous partez avec, vous faites ce qu'il y a à faire. Évitez les choses un peu intimes, évidemment. Pas de relation au travail. Je le rappelle, pas de relation au travail. Attention, attention, attention. Pas de relation au travail, je le rappelle. Donc, vous en prenez soin. Si elle vous trompe, 0-4 par exemple, on va prendre un exemple avec vous, 0-4. Pourquoi moi, monsieur, c'est le capitaine? Je sais pas. Ça se voit, vous avez une tête de quelqu'un qui s'est déjà fait tromper, mais bon. Oui, c'est vraiment le capitaine. Oui, on va pas remuer le couteau. Mais, mais voilà, on va pas remuer le couteau. On va pas. C'est, voilà, j'ai dit ça au hasard, on va prendre un autre exemple, peu importe. Vous patrouillez, vous faites toujours les choses à deux, d'accord? Si vous sentez que votre collègue est en danger, vous faites ce qu'il y a à faire. Vice versa. Vous êtes là pour le sauver la vie, vous abandonnez jamais un collègue sur place. Que ça soit bien clair. Oh. Ouais, je... Affirmatif, mon capitaine. On a des fantômes chez nous, ne vous inquiétez pas. Mais que ça soit bien clair. On n'abandonne jamais un collègue. Et on abandonne encore moins une voiture. 10-4. Vous êtes en course-poursuite. Imaginons, il y a une seule personne qui est en course-poursuite et qui court. Au lieu de lui courir après à deux, comme des je sais pas quoi... Communiquez en radio, prenez la voiture et suivez la personne, et etc. C'est très important. Et surtout, communiquez en radio. Absolument, capitaine. Mon capitaine. Et reçu. Comme j'ai dit, il faut vous sauver le jour où il y a un problème. Il faut vous sauver. Vous, il faut sauver, c'est-à-dire le nous, quoi. Vous avez compris? Oui. Donc c'est très important. On n'abandonne personne, on est une famille avant tout. Ça va être des tests, des choses qui vont être très dures, je le conçois. Mais voilà. Il faut pas oublier que les citoyens attendent pour nous. Et ils attendent aussi qu'on réponde à leurs questions. Effectivement. Protéger et servir les collègues.
canner, les gars. Attends. Bah, je vais canner. Vous pouvez continuer, mon capitaine. Attendez, je vais manger un cupcake. Il est comment, là, monsieur le capitaine, ce cupcake? Je savais que vous alliez dire ça. Je le oui, savais. Moi, c'est bien. Mais il date dur, quand même. Il date un peu dur. Il est un peu dur, mais ça va. Il aurait bien, hein. Et vous l'avez acheté, j'en veux, moi aussi. Le cupcake, je sais pas, on a rencontré une meuf. Voilà, elle nous a donné. Oh, ah, café. C'est le U café. Café, ouais, je crois que c'est ça. Et vraiment, les collègues, c'est le cupcake qui vous mettent vraiment bien. Ils vous nourrissent vraiment très très bien. Alors, d'ailleurs, concernant la nourriture, parce que c'est un vrai problème qu'on a. Normalement, voilà, quand vous buvez des bouteilles de 2 litres, c'est un peu mieux qu'une bouteille de 0,01 litre. Perso, hier, j'ai mangé 45 pains, je sais pas vous. Faut dire que j'ai eu mal au trou de balle à la fin. Une centaine aussi. Ouais, ouais, on est des vrais poules pour le coup. Donc ce que vous pouvez faire, normalement le Burger Shot est ouvert, n'hésitez pas à aller acheter des hamburgers ou du pain supérieur, je sais pas comment vous appelez ça. Oui, ils sont très bons, je tiens à prévenir que... Et pensez à avoir de la nourriture sur vous aussi, parce que... Merci. Exactement, toujours de la nourriture et de l'eau, si jamais dans le coffre, etc. On va partir... J'étais avec un rookie à vous. De quoi? J'étais avec un rookie à vous et... Ouais. Il m'a raconté que cet après-midi j'ai une petite course poursuite. Et il a pas pu la finir parce qu'il avait pas assez de nourriture. Et effectivement, très important la nourriture, toujours regarder, faut jamais négliger. Manger toujours, on a toujours faim de toute façon. Donc voilà, moi je vais aller au burger pour acheter quoi que ce soit, je vous conseille de faire de même. Tout le monde est branché en radio, on est d'accord? Affirmatif, mon capitaine. Oui. Hop, je vais juste envoyer un mail en 5 secondes. Hé, collègue devant à gauche. Oui, dis-moi. Tu veux un jus de fruits, un petit burger, et là, j'ai dans la poche, là. Non, t'inquiète pas, je te remercie. Ça va te remplir mieux que la bouteille d'eau, il ou pas, hein. Moi, ouais, c'est que là, j'ai presque plus faim, c'est juste pour terminer ce que j'avais dans les poches. Ah, d'accord, ok. Alors, j'envoie un mail au commandant, comme ça, c'est fait. Donc, en attendant le commandant, qui normalement a peut-être un peu de retard... On va faire les dispatchs. Donc 04, on va continuer notre formation avec vous comme hier. J'avais pas fini avec vous justement. Il y a un nouveau collègue aussi qui va intégrer. Alors je vais lui demander, vous pouvez venir, hein. Voilà. Je vous demande de bien l'accueillir évidemment. Bonjour. Mes respects. Mes respects au nouveau collègue. Vous pouvez venir à côté de moi. Présentez-vous directement. Bonjour à tous, je m'appelle Steve Gordon, matricule 56, et je vais tout faire pour faire régner l'ordre public en America. Exactement. Enchanté 56, moi c'est 67. Enchanté, mes respects. Très bien, ça j'aime bien. Donc on va vous recruter, vous allez vous mettre en tenue. Rappelez-moi votre grade. Officier, c'est ça? Exactement. Ok. Officier, vous allez partir avec lui peut-être, vu qu'il vient tout juste d'arriver. Donc voilà. Question, ouais, je vous écoute. Affirmatif. Un truc qu'on pourrait faire, c'est que vous prenez tous les rookies, quitte à faire plusieurs convois. Comme ça, vous passez toutes les formations. Ouais, ce sera d'un peut-être coup, fait... Ouais, effectivement. Si vous voulez, on peut faire, on peut sortir deux camions du véhicule et on va à un endroit et je vous rejoins avec d'autres recrues à vous et on fait tout là-bas. Normalement, alors j'avais privatisé l'aéroport normalement pour faire justement. Donc, si vous voulez, comme ça, au moins ils ont leur formation et. Oula. Et c'est fait. C'est je vais en bas. Il y a quelqu'un qui nous demande. Ouais. Bah du coup, ouais, je pense qu'on va faire la formation. On va faire. Vous saviez ce que le commandant avait prévu ou pas? Parce que là, on arrive dans des choses, j'aurais bien voulu qu'ils passent leur PPA déjà, etc. quoi. Oui, c'est sûr, ça pourrait être mieux. Après, des collègues le commandant m'a confirmé qu'il arrive. Hein. Le PPA, un truc qu'on peut faire. Le PPA, un truc qu'on peut faire, c'est que le faire après. Ouais, bah attendez, le commandant arrive, j'arrive, 2 secondes, je vais aller régler le souci en bas là, j'entends gueuler, je vais le monter en l'air. Tête de WAM.
Les gars, lui là en bas là qui a dit ouais ça fait 20 minutes, je vais le dégomme. Alors lui il est mort les gars. Bonjour commandant. Montez en l'air lui. Pourquoi vous aimeriez porter plainte? Devine, c'est pas une garderie. Oh le gars, il attend depuis 20 minutes. Oh mal. C'est quoi ton problème? Oui. Bonsoir, ça fait 20 minutes qu'il attend là, il y en a marre pour porter plainte là contre un de vos agents là, il m'est rentré dans mon véhicule. Et alors, c'est une raison pour foutre des burgers partout chez nous là, les jeter par terre? Il y a rien à manger, monsieur. Il y a rien à manger. Monsieur, il n'y a rien à manger, il n'y a rien du tout à manger. Ouais, c'est plus la Victoria pour eux. Ouais, ils sont pas arrivés par magie. Hein. Mais je sais pas, monsieur, je sais pas. Expliquez-moi votre souci là. Il y a un de vos collègues là qui m'a arrêté sans raison, il est reparti, il m'est rentré dedans. Il m'a même pas parlé, il y avait. Vous êtes sûr de ça? Oui, si, monsieur. Si. Vous avez pris le matricule de la personne? Non, monsieur, il y a un. Eh bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous alors? Je sais pas, il a pris le numéro un de vos collègues. Attendez, je vais vous dire le garage. Commandant, monsieur, moi je fonctionne pas, moi il fallait prendre le matricule sur le moment. Je suis désolé, je peux rien faire pour vous, monsieur. Ah ouais, si, mais il y a mon véhicule maintenant, il est un peu en merde. Vous allez le réparer comme tout le monde. Je sais pas, c'est bizarre. Quand vous avez des problèmes avec un agent de police, vous prenez son matricule, monsieur. Là, il mange. Voilà. Là, il mange. Ah, il mange. Allez dehors là et allez réparer votre véhicule. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Oui, mais il y a pas porter plainte contre X personne. Mais vous voulez porter plainte contre une plateforme? Mais vous êtes complètement malade, monsieur. Comment ça, vous voulez porter plainte contre X là? Mais pas une plateforme. J'ai une tête à m'appeler Elon Musk, comment, monsieur? Quand c'est des couilles, frère. Je sais pas, monsieur. Comment vous pouvez vous appeler avec votre moustache? Je sais pas, moi. Je sais rien. Monsieur, vous pouvez pas. C'est comme si je vous demandais de porter plainte contre Twitch. Vous racontez n'importe quoi, monsieur, là. Je comprends pas. Je sais pas, monsieur. Mais il veut porter plainte contre le X personne. Contre une personne, mais même. X personne, c'est qui X personne? On prendra pas votre plainte, monsieur. Faut que la plainte soit précise, sinon on peut pas. On prendra pas votre plainte, monsieur, là. On peut pas. On n'invente pas. On fait avec des si, on ferait le monde. Allez, monsieur, allez réparer votre véhicule. Bon courage, au revoir, monsieur. Si, ouais, bon courage et bonne soirée. Bonsoir. Et juste, par contre, on peut pas faire les arrestations et tout. Parce qu'on a pas accès à vos données. Voilà, les gars. Oh, il est fou, lui. Voilà, et il faut qu'ils arrêtent de nous faire chier, eux. À chaque fois, ils veulent porter plainte, mais ils ont jamais de raison réelle. Ouais, il avait qu'à prendre sur le moment, moi, j'y peux rien. Alors. Hop là. Ah, bah, faut nous apprendre alors. Bon, c'est réglé. Alors, j'ai entendu dire qu'un de nos collègues a foncé dans un véhicule. Je vous demanderai de bien faire attention pour pas que le problème nous retombe dessus. Évidemment, oui, la LSPD est assurée pour ce genre de problème. Concernant les PID, par exemple. Me prie, mon capitaine. Monsieur le capitaine, et aussi, oui. Petite parenthèse par rapport à ça. Quand je suis arrivé en ville, j'ai trouvé des Mustangs. Ah! C'est trois Mustangs dehors, devant. Il y avait un individu. Sûrement l'individu qui avait en bas. Ouais. Et qui était dans un des Mustangs. Donc le problème, c'est qu'il y en a qui en profitent un peu trop. Qui en profite de monter dans nos voitures à nous? Oui. Ah oui, et aussi, la question que je me pose, c'est qui a le droit de. Enfin, j'ai pas accès. Alors, déjà, bon, normalement. Mais qui que a ce le soit... droit de sortir les Mustangs ici? Eh bah, ben, justement, alors que ça soit bien clair, personne a l'ordre de sortir une Mustang. Je vous ai déjà expliqué. Que votre droit, c'est de sortir le Ford Explorer, donc le 4x4 classique, ou bien la Crow Victoria, mais en aucun moment vous sortez d'autres véhicules. Tout véhicule qui sera sorti, ça sera des vols de véhicules. C'est simple, hein, les recrues qu'on voit avec d'autres véhicules, là, que le Ford Explorer et l'autre, là, la Crow Victoria, il est licencié. Ça me paraît simple. Que ça soit clair, effectivement. Je comprends que c'est des véhicules qui vous donnent envie. Mais si vous voulez acheter ce genre de véhicule, vous avez qu'à travailler durement et vous serez payé pour. J'écoute 04. Juste une petite question. Est-ce que sous autorisation d'un supérieur, on peut quand même prendre un véhicule meilleur? Négatif. Négatif. D'accord. Bien ouais. J'écoute le retardataire. C'était aussi pour informer ceux qui savent pas que sur Radio D, il y a la liste des véhicules. Effectivement. Vous avez la liste normalement que vous avez tous reçue par mail. Le respect, mon commandant. Respect, commandant.
Respect, commandant. Bon, capitaine, je vous laisse faire le dispatch. De toute façon, on va faire les formations. Bah justement, on comptait aller faire les formations, justement. Mais ah, il faudra voir, parce qu'il faut quand même que ça tourne. Mais du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'on avance un petit peu plus et qu'on les forme. Déjà, apparemment, vous les avez déjà formés, commandant, c'est ouais, très bien. Franchement, ah, parfait. C'est certain, j'ai fait une petite formation ce matin, là, cet après-midi, avec le shérif. Vous êtes parfait. Actuellement, vous il êtes n'est parfait. Pas présent. Levez les mains ceux qui étaient là cet après-midi. Vous êtes parfait, commandant, vraiment, vous êtes parfait. Merci bien, capitaine. Ok, donc ils sont actuellement deux. Moi, je propose qu'on passe quand même. Il reste une équipe qui reste en patrouille. Ah, les gars, vous dites, vous entendez l'officier, pas. L'officier 31, vous restez en patrouille. Ça va quoi le chat? Ça va tout le monde, merci en tout cas d'être là. Le plaisir, les rafles. Je partais avec comme ça. Allez-y. Ça fait un bail ici, ça va quoi? Affirmatif, et nous, on va aller continuer les formations, lieutenant et capitaine. Passez de bonnes formations et bon courage à vous. Merci bien. Merci, mon chef. Capitaine, je vais aller sortir le véhicule. Ça marche, on prend quoi du coup alors? On va prendre l'Explorer 2020, allez, soyons fous. Ouais, allez. Banal ou normal? Non, pas banal. Ça, banal, ça, il y a un problème de parallélisme, moi, je vous rappelle. Affirmatif, ça vaut d'argent pour bonjour, pas, les banaliser, on va un peu limiter les sorties avec. Je voudrais les garder pour quand l'unité va ouvrir. Comme ça, au moins, on laisse la surprise aux citoyens. Parce que si on les sort dès maintenant, les citoyens vont savoir que c'est des voitures de la LSPD. Ouais, affirmatif. Ça va me déranger un peu. Donc, ok, voilà. Je vais préparer ça. Je prépare combien de véhicules à peu près là? Alors, attendez. Le lieutenant, il va en prendre. Ah, bah, attendez, non. Bah, commandant adjoint. C'est vrai que oui. Le portugais, il est trop fort. Je laisse partir avec 32. 31, je veux dire. Ok. Donc 31, vous allez partir avec 36. Donc attendez, bam. Je tiens à dire aussi, commandant, je vous ai pas fait de retour concernant, parce que j'ai fini un peu tard, je pense que vous avez vu au niveau des horaires. Affirmatif. Donc j'étais bien avec 04 hier, hein, qui a fait sa formation. Affirmatif. Je tiens à dire que très très bien, alors c'est 77 et 04. Ils ont vraiment géré hier, même si c'est passé beaucoup de choses. On a fait quelle de belles arrestations et tout s'est bien passé. Affirmatif. Ok, s'ils connaissent leur dormiranda, ça me va. 04 d'ailleurs a réussi à se servir de son taser. Ah, une fois. Lieutenant, je vous laisse prendre le cadet qui est derrière 31. Affirmatif. Avec le cadet qui est juste à sa droite, moi je vais prendre le 10 et le cadet qui est en face de lui. Et vous, capitaine, je vous laisse prendre le dernier cadet. Et donc comme ça, au moins... Ah bah non. Bah vous allez partir en tango, commandant. Il y a des petits frises, vous avez des frises, les gars? C'est YouTube, les gars. Hein. Aux formations. Non, ça va. Je vais couper la côte du téléphone. Ouais, je parle avec qui, moi? Vous allez partir avec le cadet qui est derrière 31. Là-bas, là. Les gars, mettez en plein écran. Droite. Vous allez on rafraîchissez la page, au pire. Affirmatif. Moi, je vais prendre 10 et le cadet qui est en face de lui. Et vous, capitaine. Vous allez partir avec le shérif et 36. Et je le fais leur formation? Ouais, de toute façon, on va aller à la base militaire. Base militaire, ok. Base militaire, ok, ça marche pas. Je prépare tout ça. Nickel. Ouais, affirmatif. Je serais d'avis de passer au Burger Shot. Apparemment, il est ouvert. Ouais. Il est ouvert, affirmatif. Ça me va, on va faire le stock. Ouais, nickel, comme ça permet de pas trouver tranquillement là-bas. Et allez, ok, ça marche. Ouais, c'est parti. Oui, dites-moi tout. Ah, putain, merde, attends. Je crois pas qu'il y ait une unité qui reste en patrouille dans la ville. Commandant, affirmatif. Vous avez recruté au fait la nouvelle personne là? Alors négatif, je me suis pas. Il y avait. Sébastien. Quelque chose. Il était là il y a quelques minutes, mais je le vois plus. Il est parti avec l'officier. Ah, bah on verra bien de toute façon. Ah, c'est bon, mais il a mis sa tenue. Non, il a pas eu le badge. Ouais, c'est pour ça justement, ok. Merci Nicolas, bon RP, à très bientôt. Merci Nicolas, merci beaucoup pour tes 6 euros, Nico, merci beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il aille aider ceux qui n'ont aucune formation, donc la radio, etc. 03 pour 36, on prend quel véhicule Ah, les gars, faut vraiment que je me rappelle des matricules, des têtes et tout. Bon, ça va mettre un peu de temps, mais là, je galère de ouf, tu vois, genre, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on prend, nous, comme véhicule?
America. America. 36. Ouais. On prend quel véhicule? Ouais, pardon, dites-moi. Ok les gars, on fait la formation, c'est un truc un peu chiant au début honnêtement, mais on n'a pas le choix parce que bah il faut qu'on... Ah ouais, même moi je suis obligé. Au sein de la police. Donc voilà. Kylian, tu abuses. Qu'est-ce qu'il a fait Kylian? Le chat, je veux vous voir marquer America dans le chat. Mettez des drapeaux américains, marquez America là dans le chat. Là, je veux voir un chat America. Ah bon voilà, chargeur 10. On va partir avec une chargeur 10 en fait. On change de plan, capitaine, on part avec une chargeur 10. Ok, c'est bien, c'est noté. Scan. Les gars, ça va être insane. 10. Attendez, donc... capitaine, je voulais sortir la chargeur 10. Vous allez partir avec votre cali qui est à votre gauche et droite. Moi, je vais prendre 77 et 10. C'est 77. Wow. Sacré couleur. C'est quel... plutôt pas mal. Les gars, je passe en only, enfin un truc là, only fan. Je passe en chat, c'est plus simple les gars, c'est pour quand je conduis, je préfère. Alors, vous êtes prêts 04 Affirmatif mon capitaine. On part que nous, c'est ça? Je crois qu'il y avait personne qui était pas habillé. Ah ok, non. Attends. On va direct base minute. Bon, je vais passer au Burger Shot. Je t'occupe la radio si jamais. Bon, logiquement, là, ça devrait aller 04. On va faire niquer. Je fais confiance de toute façon au capitaine. Adam 73, 17, Burger Shot. Alors, Tango 10. Ah non, c'est... America. Désolé, j'ai des petits cas deux fois de temps en temps. 53. Mais pas de soucis, c'est avec plaisir que je le ferai aussi. Tango 70 en direction du Burger Shot. Ça, elle est pas mal hein, ma petite voiture 04, vous aimez ou pas? Bah en vrai oui hein. C'est sympa hein. Vous avez vu la tablette ça, la tablette c'est pas pour faire ce que vous... Hein comment ça mon capitaine? Ça sert à la tablette, elle sert à chercher des noms et des trucs comme ça quoi. Vous allez pas sur internet avec. Je te prie mon capitaine, je n'en regarderai pas de contenu particulier moins 18. Police arrivée sur fréquence 53 pour 70. Vous êtes derrière là, vous arrivez? Ok. 10-4, on attend la dernière. Le dernier rookie. Ah, j'ai une faim là. Les 04, le cookie était pas mal. Hein. Ah, mais je vous l'ai dit, hein. Vraiment, il y a rien de pas. Normalement, 10-4, mais je sais pas, je pense qu'on attend les autres. Ah, bah ça. On attend, ouais, effectivement. Attendez-vous, Burger Shot. Merde. Ouais, je vous mets le petit point devant le GPS. Voilà. Ah, vous l'avez mis okay. Oh, mais 04, vous êtes parfait. Hein. Merci, mon capitaine, c'est un honneur. Mais vraiment, hein, vous êtes parfait. Au moment où je commence à mettre sur le téléphone, bam, vous le mettez, quoi. J'apprends des meilleurs. Au roi central, on dirige Burger Shot. Burger Shot est fermé. Ah bah super. Ah bah ça. Café où? Je sais pas si le café de Kinder. Merde, on prend café où? C'est qui à gauche là? Ah pardon mais bah. Oh je te laisse gérer la radio. Là, hein. Vous aimez plus voilà, café voilà. Sur la map. Ils vont eu café là? Bah le Burger Shot ils ont dit qu'il était fermé. Ah, je suis deg là, s'il est fermé le Burger Shot, là, là on avait l'occasion de bouffer un bon burger quoi. Un bon burger bien américain. 10-5, toutes les restaurations sont fermées. Oh mais non. Après j'ai des hamburgers, mais ils sont un peu froids. 70. Ah ouais, mais non, mais nous on a faim là. Le café est fermé aussi.
On va les forcer à ouvrir, vous inquiétez pas là, on va mettre des messages sur Twitter et se plaindre. Commandant, pour le lieutenant, je vous laisse prendre le combo 4. Merde, on part. Merde, on va au café, mon capitaine, je crois. Tango 70, transforme en Isré 70. 10-4. On roulait tranquille, hein, Adamson 3, 17 vers le U Café. Le U Café est fermé. Attends. Eh, hey, utilisez vos réseaux sociaux là pour vous plaindre, là, faut qu'ils ouvrent là, ils nous font chier, hein. Vous voulez que je les sorte pour le café ou que je vais mettre un point sur GPS dans un shot? Bah là, je suis le convoi devant moi. Café, on va où? UU Café fermé, on va où? Bien pris, je vais changer le point du GPS. Ça ressemble pas à un bien shot. Il a niqué son vélo. Oh non, le pauvre. Ça va pas coûter aussi cher. Putain. Ça me met... On va pas acheter du pain qui... Je suis beaucoup énervé. Beaucoup trop pain. Possible, on va bouffer quoi là? J'ai jamais mordu du pain, moi. Je te jure, moi aussi. Tu vas pas te plaindre, je viens claquer 2000. Non, mais ça coûte cher, mon dieu, dis pas, Zé! Non, 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 mais ça commence à coûter cher. J'ai acheté 20 pains, j'ai dépensé 200 euros. Non, mais je préfère mourir de faim que de. Capitaine, je viens de dépenser 2000 euros. Je crois qu'on va demander au gouvernement, je crois bien de l'argent. Non, vous inquiétez pas, le gouvernement, j'ai un peu négocié avec eux, justement. A priori, on devrait payer plus cher la nourriture, mais elle nous calerait beaucoup plus. Avec les additifs qu'ils mettent dedans, là, de cheval, logiquement, ça devrait... Enfin, vraiment, t'enlèves ton perroquet, toi. Super, vous avez vu ma coupe de cheveux, bah, super. Bon, bah, ça, c'est cool, comme ça, y'a plus de trucs. Je me mets un doigt dans le cul, maintenant. Critiquez pas trop votre coupe de cheveux, on a la même, capitaine. Alors... C'est le prix du pain, excusez-moi, monsieur. Voilà. Écoutez, ça reste entre nous, je vois qu'on a le même coiffeur. Il est à 2€, on est d'accord. Ouais. Ouais, oui, exactement, on a le même. Ouais, allez, 2€, ça va, c'est pas... Ah, 63 derrière. Il pouvait pas faire mieux en même temps. Ouais, nous, on se met dans l'avant. Comment? Ouais, allez, 0,4, là, on y va, là. Comment? Qui m'a... Ah, mais arrêtez, commandant, c'est gros, vous deux, là. Commandant, c'est inadmissible, ce que... Je lui ai demandé aussi, il est en train d'essayer de régler ça. 31, venez s'il vous plaît. Vous entendez un autre rapport. Exactement. Alors, oui, ça fait 04. Oui, mon capitaine. Elle est où votre meuf là? On veut des cupcakes, nous. J'ai pas eu son numéro, je vous rappelle qu'elle a dit que j'étais moyen et que j'étais pas son type. Ah, je vais demander. Où elle est là? Bon, là. Je pense, mon capitaine, que c'est Michto. Ouais, je prends ça. Ouais, mais on est trois, donc à part prendre bon, un... C'est un gars costard derrière, une belle voiture. Je peux pas comprendre, bon, il y a que ça. Waouh. Ouais, il y a beaucoup de vent, hein. Des gros problèmes. Ah, il y a beaucoup de vent, hein, ici. Waouh. Waouh. Arrête. 70, va patrouiller, va faire tes calls radio, va faire tes formations. On t'entend pas. Mais là, y'aura pas de formation là, comment il parle. Ah, attendez. C'est le vent de la ville, c'est rien. Le chat Twitch. Si vous avez des pubs, les gars, c'est pas moi, c'est Twitch. Mais sachez que j'ai une option, je vais pouvoir suspendre. Donc si par exemple il y a une scène qui est intéressante, je suspendrai les trucs pour pas que vous ayez des pubs. Je pourrais rien y faire, les gars, c'est Twitch, hein, malheureusement. Donc voilà, vous plaignez, mais les gars, c'est une petite pub. Et puis après, vous, voilà, il se passerait en plus, heureusement. Toutes les 30 minutes normalement. Quand vous voulez, commandant. Ouais, ouais, c'est bon, c'est parti. Moi je suis là. Oui. Le commandant est en train de bouffer. Oui, allez-y. Montez dans mon véhicule à moi.
aussi, mon capitaine, vous avez le problème avec la radio des fois qui vraiment on écoute les gens très doucement. Ouais, ouais, ça me le fait, ouais. Ouais, monsieur, vous n'arrivez pas à mettre de l'essence ou quoi là? Je ne vous entends pas. Vous voulez faire un contrôle, mon capitaine? Non, non, négatif, hein, on n'a pas. Non, mais les gens de cette ville, ils roulent en belle voiture, hein. C'est incroyable. Hein. Je vais aller l'aider parce qu'il a l'air d'avoir du mal. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous pouvez m'aider parce que. Ah, justement, j'allais vous. Vous arrivez. Attendez, vous avez laissé ouvert? Oui, c'est ouvert. Attendez, bougez pas. Je vous vois galérer, justement. Ah, bah oui, on fera comme ça. En fait, regardez, je vous explique exactement. Voilà. C'est nickel. Eh, hey, mais attendez, je vous reconnais, vous. Ah bon? Mais oui, je vous reconnais. Vous êtes pas celui qui fait le truc avec le sel, tout ça, le restaurant? Non, non, pas du tout. Ah, c'est pas vous, sale bay? Non, c'est... non, ok. Non, non, pas du tout. D'accord, autant pour moi. Non, mais je sais pas, vous le ressemblez, alors. Non, non. Pas très bien, bah... Je sais pas, je... Non, mais bah, vous le ressemblez, vous le ressemblez, c'est pour ça que je dis ça. Non, bah, je savais pas, j'ai jamais vu ça. Ah, bon courage, monsieur, en tout cas. Attendez, écartez-vous quand même, on sait jamais. Alors, hop. Ouais. Ouais. Attendez, il y a des subs qui tombent là, les gars. Je comprends pas. Qui a offert là, les gars? Il y a des subs qui ont offert là, mes oreilles, elles bip. Attendez. Le chat, j'ai pas la notif du sub. Je retente. Ah, 5 subs. Ok, c'est Vince Dog. Ah, mais les gars, c'est Vince Dog, il est complètement starbé. Merci Vince, merci beaucoup mon ref, merci frérot. Ah, Vince Dog, les gars, c'est un soutien éternel hein, à la chaîne. Le petit nacrage rouge sur la voiture, ouais, il est vraiment stylé. Hein. Ah, bah écoutez, il reste là. Hein. Ouais, il est pas mal. Hein. On est parti ou... On attend mon capitaine. Ouais, ouais. Merci Vince en tout cas. Merci beaucoup Vince. Et quand vous êtes sub, ouais, ça évite les pubs, vous avez pas de pub. Et surtout avec Amazon Prime, vous avez pas de pub non plus. Ah, ouais. Ah, beaucoup de gilets jaunes. Mais, c'est pas comme en France, hein, ils manifestent pas ici. On est parti ou. Ah, on peut me faire un point sur la situation actuellement. Le commandant. Ah, on attend le commandant. Waouh! Oh bah attends, bah bouge pas! Bah, ah bah attends, mais bah c'est incroyable ça! Vous avez quoi ces véhicules? Ouais? Bah alors, comment vous allez, monsieur Solomon? Oh, le capitaine m'a sauvé! Exactement! Monsieur Mackenzie en personne! Redites-le, criez-le, j'entends pas! Monsieur Mackenzie m'a sauvé! Exactement! America! America, effectivement. Un peu sous médicament, mais ça va mieux là, monsieur. Comment allez-vous, monsieur? Bah écoutez, c'est surtout à moi de vous demander. Ouais, je vois que vous avez mis des gants. Ouais, effectivement, je vois. Bah oui. Un pull rookie par ici. Genre poussé un peu au doigt là. Il a un problème, votre collègue là? Non, du tout. Pas parce qu'il a un gilet, moi je le maîtrise s'il faut. Attendez, mes capitaines, ils ont des tenues de fou là. Oui, ils ont détenu, mais parce que c'est une. C'est ça, en fait, vous êtes un. Alors, des gardes du corps. On travaille pour tout ce qui est privé. Ça marche. Donc, en gros, escorte présidentielle, escorte de tout ce qui est client fortuné. En fait, escort girl. Escort girl également. Oh, il doit connaître, monsieur Solomon. Il doit. À mon avis. Non, du tout. Monsieur Solomon, oubliez pas, au niveau de la loi, hein, c'est pas d'armes, hein, pas d'armes létales. Hein. Non. N'oubliez pas monsieur, de venir monsieur passer le PPA. J'en profite que vous soyez là. Oui, dites-moi. Je voulais savoir si vous avez des disponibilités pour passer les PPA pour nos hommes. Eh ben justement, oui, on pourra prendre un rendez-vous, effectivement. D'accord, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vous envoie un mail directement. Ouais, alors vous voulez mon mail ou pas? Oui. Alors, Boutous, mon caous, le couscous, mon caous, Mackenzie. Attendez, je note. Très bien. Alors, vous m'avez dit. Alors, vous notez? Attendez. Allez-y.
Juste, on a demandé votre mail. Hein. Oui, mais c'est mon mail. Excuse-moi, ah, okay. Monsieur avec le gilet jaune, là, je voudrais porter quoi. Ça aurait non, parce que c'est inadmissible, vous voyez, l'homme là derrière moi. Vous me dites quand voilà, vous notez. Excusez-moi. Il me dit que c'est bon, j'ai une. J'ai... Ah, monsieur, ah bah, commandant, vous avez mis. Vous êtes un rookie, commandant. Alors, oui, oui, j'ai eu un petit problème. Oui, j'ai eu un petit problème. On va rester comme ça. Okay. Le burger shot est ouvert. Le burger shot est ouvert. Ah, bah, on va y aller. Je prends, je laisse juste mon mail à monsieur Solomon. Ah, bah, justement, on avait faim. On va vous suivre alors. D'ailleurs, monsieur le commandant. Ah, ouais, d'acheter à manger. Monsieur le commandant, je vous présente monsieur Solomon. C'était la personne, justement, hier qui s'était fait kidnapper. Il est de retour. Oui, je me rappelle. Dites à mon commandant ce qui s'est passé. Solomon. Dites-lui, mais... Alors, sachez que le capitaine m'a sauvé la vie. Hein. Exactement. Bon, à cause de lui, j'ai deux doigts en moins, hein, mais... mais pardon vous savez, c'est... Oui, enfin, les doigts du... Oui, les doigts. Ah oui, vous voyez les bandages. C'est parce qu'en fait... Ouais, genre, oui. Ah, ouais. Mais c'est pas de ma faute, du coup. Ah non, c'est pas de ma faute, oui, c'est ça. Ouais, ok. Bah écoutez, vous notez, alors, Boutrous, mon caous, le couscous, mon taous, @... Ouais. Hotmail @ C'est bon, mes sbires vont noter, vous inquiétez pas. Alors je vous fais peut-être lettre par lettre. Alors B. Non, c'est bon, j'ai noté. Ok, c'est bon. C'est tout bon, je vous envoie un mail et puis on se tient au courant pour début de semaine. Ça marche, pas de soucis, vous me tenez au courant. Mon capitaine. Je voulais savoir comment ça se fait qu'ils ont des gilets jaunes comme ça. Parce que ce sont des rookies. Ce sont des rookies, des recrues. Si ne vous en faites pas, c'est pas comme en France. C'est ce que ne manifeste pas. Ça sent le rookie. Vous pouvez éviter de me pousser, juste s'il vous plaît, avec votre truc qui ressemble à Dragibus là. Oh, quoi, ce pull de merde. Monsieur Moustachu, je vous permets pas déjà. Oh. Mais vous me poussez là. Est-ce que je peux porter un patron, s'il vous plaît. J'aimerais porter plainte contre l'homme là-bas là. Mais si vous voulez porter plainte, vous allez au commissariat, vous nous faites pas chier en fait. Je vous l'ai dit. Moi je vous l'ai dit qu'il fallait aller au commissariat. Eh, je t'ai dit quoi toi? Allez, arrête de casser la Dragibus. Allez, allons-y là. Allez, bouge Dragibus. Mon capitaine. Oui. Bon, on va burger shot. Urgence absolue, le burger shot est ouvert, il vient d'ouvrir. Justement, on y va. Allez, je suis parti. Ok, 63, on prend la direction du burger shot. Et il est burger shot. Ah non, c'est pas mon véhicule ça, merde. Alors, ça c'est My bad. Je ne sais pas si c'est mon véhicule. Hein. Non, ça c'est le mien ça. Il est à droite. Il est à côté, commandant. Monsieur le capitaine. 10-4, je voulais prendre le combo, capitaine. Alors, 10-17, burger shot. Tu peux me mettre, s'il te plaît, le GPS. Bon, je le sais à peu près, hein, mais. Ça regarde ? Ah, parfait. Pour acheter des burgers alors qu'on a acheté 200€ de pain, quoi. Putain. Oh, mais je vous jure, c'est une catastrophe. Il y a une petite couleur sur la voiture là, je vois dans le rétro là. Oh, il y a un petit nacrage là, c'est sympa. Hein. Ah, la poubelle. Excuse-moi, mais tout tombe dans cette ville ou. Oui, clairement, oui. C'est. Monsieur le commandant, vous payez les burgers pour nous, s'il vous plaît. Alors j'ai entendu que c'était le commandant qui payait les burgers. Excusez-moi, et l'autre gradé d'ici là s'il vous plaît. Il est inadmissible, on se croit tout permis maintenant, n'importe quoi. Ah mon commandant, mais tu veux, les agents ils trouvent. Il passe tout le monde là. Hein? Qui? Vos agents là, les premiers rookies là. Quoi? Non, mais vous inquiétez pas, on va faire la queue, il passe juste devant pour éviter de bloquer le passage. Ouais, mais respect, mais. Attends quoi? Vous me comprenez hein. Et d'ailleurs. Quoi? 18? Oui, nous on. Si on doit être en urgence, ça vous dérangerait qu'on passe devant, sincèrement? Si vous êtes en urgence, il n'y a aucun problème. Voilà, nous on sauve la ville, monsieur. Ça se trouve, on peut sauver votre Je sauve la ville aussi, je suis AMS. Bah oui, non, mais je vois ça, mais on est d'accord que. Mais si, regarde, tu vois bien, elle dépasse. Bon, si on doit dépasser, on peut quoi. Comme vous, hein, d'ailleurs, ouais, si non, vous êtes en urgence. Je comprends, non, là, j'ai pas d'urgence. Oh, désolé. Oula, on a la droite qui l'a mangé. Désolé. Et c'est quoi votre numéro Ouais, je vais prendre le numéro là. Parce que la dernière fois, j'ai eu besoin d'un EMS, mais ils étaient pas trop là.
Moi je suis Marie, très la bien. Bécano du. Mon numéro. Ah, Marie, enchantée, Marie. Alors, 205. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous partager le mien. Allez-y, partagez le mien. Parfait, nickel. Enchanté, monsieur Reaper. C'est moi qui est là pour le moment. C'est Capitaine Reaper, du coup, exactement. Vous, c'est quoi? Vous appelez comment? Moi, c'est Nour Ensu. Bah, pareil, 20 burgers et 20 limonades. Mon lieutenant, prenez au menu, c'est plus avantageux. Non, je note que vous êtes EMS. Oui, mon lieutenant. Voilà. Très bien, très bien. Bon, si on a besoin de vous, on vous appelle en tout cas. Parfait. Oui, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Il y a moyen de mettre mes affaires sur nos commandants. Ça va, ça se passe bien en ce moment? Ça va, bon, on fait les formations. Les voilà quoi. On met là, vous mettez en place quoi. Tout se passe bien, tout se passe bien. Il a dit quoi le lieutenant? Accéder à vos factures. Non, je sais pas, il a dit sur la facture du commandant. Bonne journée à vous. Merci. Il remplit directement le hamburger, il remplit bien le ventre. Et le jus de fruits, ça remplit un petit peu. Moi là, je vais prendre au moins 15 minutes. Moi j'ai une fin de loup perso. Commandant, vous me devez 100 dollars. Je prends 25. Et vu que c'est le commandant qui paye, oh là là, je vous dis là, je vais me... Je prends 35. Ah ouais, hein. Le capitaine 45. Paye. Allez, capitaine 18, c'est votre compte aujourd'hui. Je suis pas là, je suis pas en service, je m'en vais. Ah, faut profiter. Ah bah c'est bizarre. Commandant. Commandant. Bon, vous avez fait vos commandes ou pas là? Si. Non, pas encore. Collègues, c'est moins cher au café, c'est beaucoup moins cher. Commandant, venez, c'est moins cher au café. À part si le monsieur avec qui je me suis fait évidemment. C'est vrai que c'est le commandant. Écoutez, mettez-moi une quinzaine de menus. Le commandant qui paye les gars, demandez de mettre sur la facture du commandant. Mettez sur la facture du commandant. Mettez sur la facture du commandant. Taisez-vous. Excusez-moi, je voudrais savoir ça paye combien le total des menus pour tous les agents de l'ISPD. Ça dépend combien vous en prenez. Attendez, monsieur commandant, attendez. Je crois qu'il a mal entendu. Bonjour, monsieur, avec la mèche rouge. Bonjour. On aimerait savoir s'il y avait possibilité que vous nous offriez quelques menus. Va falloir qu'on s'associe, hein. Speedy. Il faut faire tourner le marché. Oui, alors je comprends, mais faites-nous une très grosse réduction pour nourrir tous vos futures personnes qui vont sauver la ville. Vous êtes combien là, à peu près? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est 10 à peu près. 9. 10, Il y a un petit cache derrière. Après, peut-être que vous allez passer patron. Hein. Vous faudrait combien de menus à peu près? Et dites-moi tout, 36. 10 menus pour chaque personne, je pense. Ouais, 10 chacun, j'imagine. Ah oui, vous savez pas faire encore. 10 chacun, ça se garde en dit superwar ou pas? Ouais. Ah bah nickel, bah voilà. 10, c'est pas mal, on reviendra plus tard après. 10 par tête de pipe. En plus, leur pain, il devient pas dur, mon capitaine. J'avoue. Il a combien le menu? Vous voyez pas que madame, elle fait la queue? Le menu de base, entièrement, il est à 40. Mettez-vous dans la queue. Le menu à 20. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que je suis désolé, mais j'ai acheté du pain. Ça peut pas se mettre dans la queue. Alors, bien le bonsoir, messieurs, je voudrais... Et moi, pour 2000. Bah, nickel. Bah, alors, faites ce que vous avez à faire. Un petit contrôle. Du coup... Alors la queue, s'il vous plaît, je suis bien gentil. Les calculs là, ils voient. On fait 10 à chaque fois, vous inquiétez pas, on fait 10 à chaque fois, c'est bon. Putain, faut recruter au Burger Shot là. Oui, ben moi je suis intérimaire. Bonjour les citoyens, comment allez-vous? Ça va parfaitement. Tant que vous allez bien, on va bien. Vous allez nouer toute la cavalerie avec toi. Ah bah, logique. 200. Ça va, normalement vous avez un grand four pour le faire. 8, 10, attendez, allez-y, madame, avancez. 12. Oh putain, mais il y a trop de gens là. Pardon. Désolé. Monsieur, je suis une calculatrice ambulante. Si vous faites le calcul de 10 menus par personne pour 9 personnes, ça fait 1 800 $. Ok, bah voilà. À qui je mets la facture? Bon, les gars, ça va faire Happy Bird. Hein. Allez, j'offre de tourner. Pour nous aussi, monsieur? Ah, mettez sur ma paye s'il faut. Attendez deux secondes, j'ai un appel. Mettez tout sur le mien. 800 dollars pour 90 minutes. Oui, allô, j'écoute. Oui, je vous écoute. Oui, ça marche. De toute façon, on en rediscute, mais évidemment que, ouais, on vous appellera pour ce genre de... Il n'y a pas de souci.
Mais surtout, très important, monsieur Ensoui. Alors moi, j'ai noté Ensoui, je ne sais pas si c'est mon logiciel intelligent. Nour, bah écoutez, Nour, nous, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de MS pour des opérations, etc. On compte sur vous pour être présent, évidemment. Très bien. Très bien, parfait. Bon, on compte sur vous, alors. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, vous avez tout ? Ah, t'as pris pour moi ? Ah ! Non, 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 c'est bon, c'est bon. Ouais, ça coûte une couille. Ouais. Le chat, je sais pas pourquoi vous avez pas entendu, par contre. Vous avez pas entendu le son du tout ? J'ai vu, hein, je vois les messages, les gars. Ah, d'accord, vous entendez, ok. Switch de scène, j'avais pas vu. Il y a un des cadets qui a dit que vous cachiez une calvitie. Excusez les gars, j'avais pas vu. Moi je l'ai vu, vraiment. Alors, c'est pas tout à fait ça. Une dernière, ça a dit que vous cachiez une calvitie, moi je dis ça, je dirais. Non, c'est juste c'est pour que vous prévenir. J'ai dû raser mon crâne, c'est deux choses différentes, j'ai pas de calvitie. Ouais, mais j'ai vu qu'on avait la même coupe de cheveux. Mais ça veut dire que du coup, sur l'autre scène, les gars, vous entendez pas le son du téléphone en fait, c'est ça? Enfin, vous entendez pas le son du jeu. Ok, bah je le réglerai tout à l'heure. Logiquement, il n'y a pas trop d'appels aujourd'hui. Mais par contre, je vais vraiment régler ce truc-là, les gars. C'est bon, vous avez... Ouais, ça diffuse pas. Ok, non, mais c'est moi, c'est les réglages, les gars. Il est là, Ghost. Je réglerai ça. Merci, les gars. Heureusement, vous le dites. Hein. Ah, je sais pas du tout. Allez, on se dépêche, les rookies, là. On a des formations à faire. Ah, oh, que si. On va s'être sûr, il est chaud. Vous avez du monde, hein. Silvio, il est là, oui, je vois ça. Puis ils sont pas pressés parce qu'ils restent. Hein. Alors, merci beaucoup. Vous avez eu vos burgers ou pas ? Ouais, ouais. Bah, je vous laisse sortir. Oh, c'est complètement facile. Mais là, le burger shot, là. Allez, sortez, c'est allez. Bien. On court 77. C'est ça, ouais, nickel le chat. Arrête de me taper là, putain. Ouais, mais là, il se passe quoi là avec ton édo là ? Vous m'expliquez ? Merci beaucoup. Non, laissez, monsieur l'agent. Quel trône ou non, Eh, merci beaucoup. Vous êtes appelé du burger shot. Allez-y, monsieur. Désolé, Maria, je vais devoir passer. J'ai mal à la mâchoire, là. Eh, ben, allez-y. Hein. Ah, monsieur, c'est pas très poli, ça. Allez, commandant, bonne journée. Vous me dites quand c'est tout bon. C'est bon. Parfait. Bah, merci beaucoup, en tout cas, monsieur. Bon courage. Et surtout, on a besoin de vous en ville, des gens comme vous, là. Le pain coûte trop cher. Je sais. Les boulangers, ils ont câblé. Gueuler, s'il vous plaît, je suis bien gentil, mais arrêtez de gueuler. Merci. On a même pas parlé. Oui, arrêtez de gueuler. Merci. Français, arrête de gueuler. Comment tu parles, toi, là? On attend. Pas. Ah ouais, déjà, redresse-toi, là, t'es à côté des poubelles. Bonjour, pardon. Excusez-moi, c'est mon patron qui paye, du coup, je pourrais avoir 90 minutes. C'est un extracteur, mec. C'est pas une poubelle. Faites-la. Ouais, bah redresse-toi déjà, là, t'es dans un restaurant, là. De quoi? J'entends. Ah, mais si, je suis le commandant. C'est très bien coiffé. Bon, la queue, bien madame, faites la queue. C'est très belle. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, pardon, faites quelque chose. Bonjour, une question. Oui. Voilà. Il y a des burgers au poulet ou pas? Vous m'envoyez la facture ou pas? Non. Ah, c'est grave. Vous inquiétez pas. Ils ont pris avec. Ils ont compté. Oh, dommage. Monsieur le copatron. Merci beaucoup. Bon, allez. Les gens, ils Alors. Bah, bon, on y va, les gars, on va acheter à manger. Ah, monsieur Solomon! Y'a un souci, oui, monsieur Solomon. Y'a plus de burger, du coup. Non, mais sérieusement. Non, y'a encore. Mais du coup, il reste des. Comment ça s'appelle? Vous savez, des burgers avec des trous dedans. Eh, ça va arriver. Des bagels. Des bagels. Des bagels, exactement. Et ils m'ont dit que c'était plus simple. Est-ce qu'il y a des burgers au poulet? Des burgers au poulet? Ouais, on aime bien tout ce qui est nuggets, poulet. Ah non, ça y a pas, monsieur, malheureusement. Tender. Oh, pas, et je travaille pas ici déjà, qu'ils se sont posé la question. Et vous. Attendez. Mettez-vous sur le côté là, je vais vous contrôler là. Vous dites ça parce que je suis un policier? Bah non, j'étais juste que s'il y a des burgers au poulet, vous venez d'y sortir. Ah ouais. Allez voir directement, moi je suis. Ok. Bon, on y va, les gars. C'est quoi ça, c'est un commandant.
Bon allez, on est parti là. Oui, oui, c'est... il y a un problème. Allez mes recrues. Enfin mes cadets, mes rookies, pardon. J'ai décidé, moi j'ai fait tout. Tout direction base militaire. Direction de base militaire. Bien rentrer le gâteau les gars. Presse framboise myrtille. Incroyable les gars. J'allais manquer de respect à un commandant frère. Putain. Il a la tenue de rookie. Mais oui, il a eu un problème. Ouais, bah oui, mais il me donne des ordres, j'allais dire, mais oh, t'es un rookie, mon gars. Mais allez-y, qu'est-ce que vous faites? T'es trop agressif, là. Ah ouais, non, mais il a fait la manœuvre du siècle, quoi. Je fais un call pour dire qu'on va dire que c'est base militaire. Normalement, ouais. Bah, du coup. Base militaire, base militaire. Ok, bah parfait. Chacun 3, 17, base militaire. Adam 63, 17, base militaire. Tango 70, 17, base militaire. Ah, allez, c'est parti, on se rejoint là-bas. Hein. Ah, je vais pas les attendre. Hein. Montrez-moi, vous êtes un produit de mon capitaine. Ah, mais faut qu'il s'écarte un peu là. Allez, c'est parti. J'adore l'autoroute, moi. L'adrénaline. Ah, je suis un foufou, moi, de l'autoroute, moi, j'adore l'adrénaline. Un Mohican. Allez, vas-y, je suis un foufou, moi. Oh, attention quand même, il y a beaucoup de gens sur le route. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. J'ai pas envie de mourir, on arrive mon capitaine. Non, vous êtes avec un pilote professionnel. Je crois que vous êtes flashé mon capitaine. C'est pas grave, c'est le commandant qui... C'est le commandant. Ah, le commandant, il est le C'est le commandant qui paye. J'ai 50 d'avis, toute la police, arrêtez-vous vers la banque. Vous allez bien ou pas? Je pense que c'est l'éléphant mon capitaine. Heureusement que j'ai le numéro des EMS. Hein. Attends, allez les voir quand même. Faut aller je crois qu'on va, on va devoir appeler les EMS, commandant. J'ai dit que je suis pas mort, je suis Ils sont envolés. J'ai regardé derrière, j'ai vu une voiture était dans les airs. Je savais pas qu'il y avait des. Il y avait des stunters sur le. Non mais. Clipper la vie de ma mère, clipper. Attends, c'est clipper mon capitaine. Ils vont bien au moins, monsieur, parce que. J'ai pas chance d'aller les voir, mon capitaine. Attendez, on va aller les voir. Par là, vous êtes sûr? Vous inquiétez pas. Oh putain. Je vais faire une bac. Je vais faire une bac sur moi ou est-ce qu'il y a 50 des collègues. Vous allez bien? Ah monsieur, vous allez bien ou pas? Non, non. Oh, mourir. Ouais, attendez, je reviens, je vais dans ma tête, je reviens. Attendez, le chat, je relance juste le jeu 2 secondes. Eh, je suis en train de perdre ma moustache, les frères. C'est trop chiant. Attendez, je relance le jeu. Hein. Ouah, comment ils ont volé, vous avez fait un clip ou pas? Parce que what the fuck. Attends, parce que je suis obligé, en fait, j'ai des paires de trucs là, du coup, je relance. Hop. Tac. Les gars, je suis en train de perdre ma moustache. Sérieux. Ah, comment il a volé. Ouais, les gars, c'est pas pratique la moustache. Hein. Des fois, je suis à deux doigts de me la faire réellement, genre. Putain, comment il a volé, miskine. Mets de la glu. Mais j'ai mis. Tu l'as où ta tenue? Je l'ai acheté. Bon, après les gars, on est sur un serveur sérieux, mais on aime bien rigoler aussi de temps en temps, hein, les gars. Faut pas être sur du RP non plus, trop truc. C'est-à-dire là, on rigole, c'est bon délire, tu vois. Tant qu'on fait pas du HRP non plus en mode ouais, nanana, tu vois. Alors,
mais la volée. Wouah. Le capitaine, vous arrivez? Ma femme Maria, tu vois? Et là, il me dit Marie, il a dû le déconcentrer. Et je me rappelle d'être en l'air. Et la première chose qui est venue au service, je sais quoi, c'est la musique là, I believe I can. Mais j'ai pas eu le temps de finir et j'ai tout fini de voir. Moi, non, j'étais dans ma tête, vite fait. Et puis là, je prends connaissance, je vois quoi, je suis en train de voler à 5 mètres d'altitude. Je vous jure que nous, c'est devant vous, on s'est retourné. Je vous rassure, vous l'avez vraiment fait. C'est vraiment pas bizarre. Hein. Ah, moi, je volais en l'air et j'ai, dans ma tête, j'ai chanté I believe I can et j'ai pas réussi à dire le fly. J'étais. Non, mais bon, tout est devenu noir. Je m'en prie que le lieutenant. Mais police ma, attendez, c'est de ma faute, j'ai commencé à parler de Maria, ma femme. Et lui, bah il a compris que j'étais, non, je parlais de sa femme, ça l'a déconcentré. C'est de votre faute, c'est de votre faute, pour qui là? Oui, c'est de ma faute, excusez-moi, mais lieutenant. 30, tu veux pas enlever le mur là pour qu'on sorte la voiture? Lieutenant, vous avez votre permis? Mais en même temps, capitaine, vous avez pris un mauvais chemin. Je vous ai suivi, j'ai dérapé. J'étais plus qu'un dérapage là. Il est où le véhicule? J'étais en tout droit. Il est passé dans son rien, je crois. Ouais, je pense qu'il va se le ressortir, je pense. Merde. L'onde de direction, elle est cachée. Elle a été modifiée. Wesh. Attention. Ah, c'est bon, ils ont un véhicule dessus de Oh, let's go. Let's go. Oh là là. Ah, du coup, on n'a pas tardé à se revoir au MMS, hein. Allez, c'est vrai. Allez, Rocky, montez. Elle est pas mal, la Maserati, j'aime bien ça. Vous voulez l'essayer? Non, ça va pas aujourd'hui, là, on doit aller en formation, là. Ah, vous allez en formation? Ouais, d'ailleurs, j'ai essayé de parler avec le gouvernement, je vais encore continuer. Ouais. Si vous voulez, je vais voir pour qu'on ait une radio cryptée en commun. Ouais, affirmatif, ça peut être pas mal si on a besoin de vous appeler, ouais. Ouais, comme ça on est tous sur la même radio et puis c'est plus simple. Un truc qui est sympa aussi, c'est qu'on pourrait vous faire un appel renfort EMS. Ouais, je sais, mais après ça c'est au gouvernement de le mettre en place. Ouais, oui, non, ça peut être sympa, je vais, je vais en parler dès ce soir au gouvernement là, ça serait pas mal. Ouais. Bah j'y suis là, je vais leur en parler si vous voulez. Bah top, dites-leur que le capitaine Mackenzie valide l'idée. Je vois, allez, super, et bonne information à vous. Merci. Oh, je suis EMS. Si je fais un accident, je suis viré. Lieutenant, une fois. Lieutenant, deux fois. Si je fais un accident, peut-être je suis viré. Que de conduire, mon lieutenant, capitaine. Lieutenant, deux fois. Lieutenant, mettez-vous derrière, c'est votre dernière chance. Voilà, le KD va conduire pour vous. Lieutenant, écoutez le commandant. Parlez plus de Maria. Connard. Je veux conduire, mon capitaine, ou je laisse la place? Non, négatif, je veux pas que tu... Tu veux conduire? Je laisse prendre le lead. J'aurais pas envie d'essayer, ouais. Le problème, c'est... Non, je vais y aller. Pas de soucis, mon capitaine. Bientôt tu auras tout ce qu'il faut là. Par contre, la porte derrière. Le prochain qui fait un accident, ça va pas se fermer. Oh là là, évitez la paye, hein, si tu fais un accident, il a dit. Ah bah, on va vider alors. Mais bon, j'ai fermé, tu as petite manœuvre. Attends, deux secondes. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon capitaine? Alors, c'est normal qu'on a pas de phare ou. J'avoue que c'est bizarre. Il y a les feux de détresse qui sont allumés.
C'est bon, parce que il y a un petit souci technique. C'est bon. Voilà. Parce qu'il y avait un souci de phare là, je comprends pas. Ah oui. Vous avez hâte d'intégrer la police officiellement ? Ok, oui, mon capitaine. J'attends que ça. Eh bah, ça va alors. Je suis plus que motivé et je suis pressé d'avoir ma formation complète, comme ça je pourrais enfin arrêter les brigands. Eh bah, c'est le but, c'est le but. Nous sommes le justicier de cette ville, mon capitaine. Exactement. Bon, je vais mettre les jurons parce que je les vois pas trop devant. Effectivement. Il y a des prises de service, il y a des cadets, enfin des rookies qui sont là-bas, c'est ça enfin, des prises j'ai de l'impression, par rapport à la prise de service, j'ai l'impression. Voilà, c'est le moment, c'est le jour J. Mon capitaine, je suis pressé. C'est le jour J. 10 de day. Ah, ça me rappelle des souvenirs cette base là. Vous êtes venu plusieurs fois, mon capitaine ? Ouais, plusieurs fois. Je vous écoute. Ah, j'étais comme vous au début, j'étais au service militaire. C'est vrai que vous avez commencé quelque part vous aussi. J'espère avoir le même parcours que vous, mon capitaine. On a piloté comme des chefs. Oui, non, vous n'avez pas piloté. Non, je suis contre. Commandant, tu es tout. Il y a des prises de service là. C'est des. Ouais, affirmatif. Ils viennent à la base militaire actuellement. Ok, affirmatif. Ah, ok. Bon, mettez-vous en ligne, tout le monde là. Allez. Bon. On va attendre les derniers. Oui, celle-là. Parfait. Allez. Parfait. Ah. Bah. C'est moi ou... Non, c'est pas toi. Hein. On est d'accord. Quelqu'un a payé le mec pour amener les voitures là. Non mais c'est toujours le même problème ici. Ah merde. Ça me l'a fait cet après-midi. Alors là, fou. Vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut. Il y a quelqu'un qui a fait oui. Ah, vous inquiétez pas. Alors vous faites un appel, oui, voilà, ou je le fais d'abord et puis voilà, allez. Bon, on a plus les voitures de l'Espidi, hein, je comprends. Je me demande pourquoi. Ah bah, on va y aller en courant, hein. Non, vous en faites pas, il y a de mes canaux qui arrivent. Ah, ok, d'accord, parfait. Alors, bon, lieutenant, je souhaite voir votre niveau de formateur. Lieutenant. Je vais te permettre, mon commandant, le niveau de conduite, lieutenant, là, déjà. Oui, mais moi, je vais dire formateur. Non, mais de toute façon, la conduite, je crois qu'on va plus le laisser conduire. Alors actuellement vous êtes que deux à avoir passé les formations ce midi, certaines sections. Lincoln 99, 17 vers la base militaire. Ok, les deux là, qui ont déjà passé leur formation radio et contrôle arrestation, venez vers moi s'il vous plaît. Moi j'ai pas fait contrôle arrestation. Ouais, mais passez la radio, venez vers moi. Ok, et donc vous trois vous les avez pas passés. C'est vrai. Affirmatif. Lieutenant, vous êtes là ou pas? Lieutenant. Il dort. Ouais, je crois que le lieutenant dort. Oula. Ouais, bon, ça le réveille pour. Alors. Bon revers, mon commandant.
Ah, il est là le lieutenant, c'est bon. Pardon. Bon lieutenant. Oui. Bon, le chat. Bien voir votre niveau de formateur. Et ça vous, alors, quoi, le chat, c'est simple pour la conduite, les gars. Vous êtes chaud, vous êtes là, vous êtes présent, vous avez vu la scène de fou, n'empêche. Très bien, là, c'est comme la deuxième fois que je vous connais, vous faites un accident. Première fois, c'est dans l'eau, deuxième fois, c'est ici. Mais bon, on va pas en parler. Non, on n'en parlera pas. Voilà, merci bien. Alors, bon, capitaine et lieutenant, je vous laisserai faire les formations, je vais aller vous noter, de toute façon, je vais vous noter. Mais si on a pas de véhicule, ça va être compliqué. Alors là, je vais... vous inquiétez pas, je vais me noter. Vous inquiétez pas pour bien. Ça. Non, parfait. On va commencer par les formations. Radio. Donc les deux personnes qui sont à côté de moi, ils ont déjà passé. Donc ils vont... De toute façon, on va leur laisser un petit temps de mijote. Non, c'est simple. Qui les a pris ici, dans les trois, là? Je les connais pas tous par cœur, mais je connais la grande majorité qui peuvent être utilisés. Ok, tu connais, toi? Un peu, oui. Ok, et toi, à gauche? Ok, bah c'est simple, je vais vous faire passer un par un. Je vais vous poser des questions sur les codes radio et puis on va voir si vous connaissez ou pas. Affirmatif. Affirmatif. Ok, bah suis-moi à droite. Je vais aller chercher ce qu'il faut là, vous inquiétez pas. Hop là. Je vais faire comme ça, hein. Et merde. Je prends que cela alors. Voilà le chat, on est obligé de faire ça du coup. Alors, c'est le chat, hein, je suis en train d'écrire, je suis à côté. Arrivé sur le Kukapan. Ok, comment dire, contrôle routier. Oh, alors, on va chercher où? Un contrôle routier. Allez. 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 Ah, tu regardes pas. Non, je regarde pas. Tu sais pas? Non, je sais pas. Oh merde! Ah ouais! Pas mort, s'il vous plaît. Commandant. Affirmatif. 04 est bien révisé. 04 est bien révisé. Capitaine. Oui, j'écoute.
Bon, je vous fais confiance. Vous allez faire réviser l'école radio à certains. Donc un cadet qui est là-bas. Excusez-moi, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder le lieutenant déjà qui fait de la merde. Vous inquiétez pas. Alors là pas du tout. Donc vous allez en prendre un. Vous allez faire réviser ses codes radio, même avec ses tout ce qu'il y a avec. Est-ce que vous avez bien compris? Ouais, ça marche. Allez-y. Attendez, parce qu'il a un petit souci, je vais le... Attendez. Ouais, c'est un métier, allez-y. Alors, attendez-moi. Monsieur, vous allez bien? Il a un petit problème. Ouais, vous inquiétez pas, je vais régler ce souci, mais je le laisse un peu, je le regarde un peu. Ok. Attendez, je vais régler son problème. Hein. Attendez, je vais régler son problème. Je veux bien. Regarde. Attendez deux secondes, parce que ça, j'ai eu un lag en fait. Hop. Je relance. Alors. Il m'a dit de faire quoi, les gars, le commandant? J'ai pas trop écouté. Il m'a dit de faire l'école radio, ça? Non. Les gars, ma moustache, c'est cata. Hein. C'est dommage, heureusement qu'elle m'a envoyé un truc. Parce que là. Bon, je vais laisser ce soir là un truc comme ça. Mais la moustache, les gars, c'est abusé, les frères. Regardez comment elle tombe. Ah, je suis bien là. Waouh. Bon les gars, désolé, je suis en train de régler aussi d'autres affaires là, parce qu'il y a eu des soucis, mais du coup c'est bon. Je vais me concentrer sur le RP là, faut que j'arrête de regarder les soucis là. Ouais, faut que j'arrête de regarder les soucis quoi. Hop. Vous allez bien? Oh là, il dort. Alors attendez. Ça va me refaire le même problème là en fait. Mais la tête de WAM, ça me refait le même problème. Je vais câbler. C'est trop. Attendez hein. Je peux pas le revive en fait là. Skin. Je fais un report. Donc j'arrête de me prendre pour un modo. Ou un gars du staff. Attendez, ça relance. Mais en fait, j'essaie de revive le gars, là. Il dort, le pauvre. Je sais pas pourquoi. Hop. Thank you.
Mais elle est pas copyright la musique là, je crois, gros. Enfin, j'espère. Non, il est pas mort, il est. C'est mangé un truc. Ah, oh, c'est rien, ok. Bah, attends, je vais la faire. Ok. C'est bon, les gars. Copyright. Ouais, c'est pas grave, au pire, je supprimerai le son, c'est pas un souci. Eh bah voilà, ouais. Allez, vous êtes réveillé. Oh pardon, excusez-moi mon capitaine, je sais pas c'est quoi. Bah vous êtes réveillé là enfin. Ah je suis déjà... Ah quand même, je me suis endormi comme ça. Ah ouais, vous êtes endormi. Allez venez. Et par contre les autres, oui ils sont... Bah c'est bon commandant. Il est c'est bon, vous avez récupéré les véhicules. Il s'est réveillé du coup. Ah, c'est bon, de quoi, les véhicules? Non, non, la personne là qui dormait. Ok, nickel. Un code 99. C'est une demande en enfant, mais qui est urgente. Okay. Voilà. William c'est bon, je l'ai réanimé en fait. Enfin, il avait un peu de mal quoi. Je vais taper le torse et tout va mieux. Ouais, c'est bon. Ok, alors attendez. Alors, ça sera le capitaine qui va faire passer la recommandation. Les gars, je repasse en mode only truc. Qui a passé sa formation radio? Toi Moi j'étais en train de pacher, mais. Ouais, toi, oui. Bah, toi, tu vas venir avec moi et toi, tu vas aller avec le capitaine. C'est bon, il les connaît parfaitement. Avec le capitaine? Oh, ok, très bien. Ouais, vous avec le capitaine et vous allez avec le lieutenant en fait. Il a fini. Et aussi, capitaine. Ah, c'est bon. Bon, vous, Moline, s'il vous plaît. Alors, c'est avec qui que je passe là? C'est avec moi. Ok, allez, suivez-moi. Ok, allez, mettez-vous là devant moi, on va réviser un peu là. C'est quoi votre matricule? 06. 06, ça marche. Alors, 06, on va faire les codes radio, c'est très simple. Comme j'ai dit, la radio, ça sert pas à que la spam. C'est évidemment pour faire des codes radio, même si on laisse libre, par exemple un refus d'obtempérer ou quoi que ce soit. Vous pouvez dire refus d'obtempérer. Ok, on n'est pas à chaque fois obligé de mettre le code, quoi. Voilà, c'est... Okay. On préfère, mais si jamais, parce que bah, vous avez pas fait exprès ou quoi, c'est pas un souci. En tout cas, avec moi, c'est pas un souci. Okay. Alors, on va commencer. Donc, je vais vous demander de bien... Ne pas avoir le document sous les yeux, dans votre poche ou quoi, vous rangez tout, les mains bien sorties. Ouais. Voilà. Alors, on va faire tout simplement le code 1. Qu'est-ce que c'est le code 1 ? Le code 1, c'est quand on n'a pas de gyrophare et pas de sirène. Exactement, code 2. Code 2, c'est avec gyrophare, mais pas les sirènes. Exactement. Ensuite, si j'ai envie de faire une fin d'intervention. Fin d'intervention. C'est retour au poste. Ça. Ouais, mais c'est un code. Ah oui. C'est un 10-19, ouais. Pas vraiment. Non, non. Fin d'intervention, c'est code 4. Rappelez-vous, fin d'intervention, code 4, comme quand vous jouez à Call of Duty par exemple. D'accord. Si imaginons là tout de suite là, on a besoin de renfort, si urgent s'est fait tirer dessus, qu'est-ce que vous dites? Agent blessé, c'est 10-23. Pas forcément, alors on s'est fait tirer dessus, on a pas encore d'agent blessé. On demande juste des renforts là, on a besoin. Ah ok, 10-13 alors. Négatif, c'est code 99 monsieur. Ah oui, de demander de renfort. Shoot fire, très important. Mais là oui, c'est pour la demande de renfort. Là, c'était le classique. Code 1, code 2, code 3, code 4, code 99. C'est ce que vous allez le plus utiliser, honnêtement. D'accord. Donc, les premiers codes qu'on a besoin, quoi. C'est le principal. C'est ce que tu utiliseras. Okay. Pour un refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, c'est un 10-30.
Exactement, ça j'aime bien. Pour alors attendez. Donc vous m'avez dit la fin de patrouille, c'était quoi pour vous? Fin de patrouille, j'ai dit retour au poste, donc 10-19. C'est 10-42, mais on l'utilise très rarement celui-là, donc je vous pardonne. Très bien, maintenant pour le code radio quand vous patrouillez, quand vous partez en patrouille. Si vous partez en patrouille seul, vous êtes quelle unité? L'unité Lincoln. Exactement, si vous patrouillez à 3. 3 c'est Tango. Exactement, si vous patrouillez à 2. À 2 c'est Adam. Exactement. Bon, les autres, normalement, vous les avez pas encore appris, mais voilà. L'unité Henri, est-ce que vous savez ce que c'est? L'Henri, c'est maritime. Non, c'est pas maritime. Henri, il faut penser au H de Henri, c'est l'hélicoptère. C'est la brigade hélico. D'accord. Tout simplement, pensez-y. Voilà, et William, c'est la brigade maritime. Pensez okay. Au M à la fin. D'accord. Imaginons que là vous avez entendu un coup de feu. Vous pouvez me dire Ça c'est un 10-13. Exactement, 10-13. Coup de feu entendu près de voilà, vous avez compris. Ouais. Imaginons là, on passe enfin je suis avec vous. Je peux plus vous répondre parce que vous avez plus de nouvelles de moi. Qu'est-ce que vous faites là? Vous dites quoi? Vous êtes où, etc. Expliquez, faites-moi comme si vous passez un appel radio là. Et qu'on... Alors, je vous donne, je vais vous aider. On s'est fait tirer dessus. C'est assez urgent et du coup, vous n'avez pas de nouvelles de moi et vous devez donner votre endroit. Allez-y. Et vous identifiez également. D'accord. Moi, je dis, enfin, je dirais 06. 06. 10-13. Code 99 et j'aurais dit capitaine perdu. Capitaine perdu, ouais, c'est capitaine 03 de perdu. Mais vous m'avez pas précisé comment je vous retrouve, moi. Il faut préciser la zone où vous êtes. Ah oui, base militaire de. Bah, base voilà, militaire. Base militaire, exactement. Pour la centrale, vous procédez. Donc ça, c'est très très bien, nickel. Bah écoutez, c'est plutôt bon dans l'ensemble, de toute façon c'est nickel et c'est parti, on peut y aller. Toujours moi aussi, j'hésite à parler. C'est bon ou pas capitaine? Ouais c'est tout bon. Coup de feu. Merci pour les 5 euros tout à l'heure. Alors pour l'abonnement, je sais pas pourquoi t'as pas réussi à le prendre, normalement tu peux. Bon, les matricules de ceux... qui ont passé la formation radio. Un par un, on va commencer par la gauche. S'il te plaît. On le perd de la moustache. Merde. Je sais pas si vous m'avez entendu. Je pense qu'il y a un message à jour. Ah ok. Je le fais par télépathie. Non, t'inquiète pas. Oh, ça c'est magnifique. Oh, oh, oh. J'ai cru qu'on allait mourir. Voilà. Togo 04, c'est fait. Vous, votre 77, c'est fait, non? Non, moi j'ai 30. Ah, t'es 30. Commandant, je vous déconseille de la laisser ici. Je vous conseille de la sortir. Hein. Ouais. Bah, à tout moment, elle rejoint Tupac. Ah. Ouais, dit comme ça, c'est mieux, mais... Oh, ce sera pas très grave au pire. Ouais, c'est vrai. On rentrera à pied, ça fera d'autres sports. Au pire, ouais, on peut. Avec tous les burgers et les pâtes qu'on mange, j'ai envie de vous dire, il va falloir qu'on perde du poids à force. Comment ça se passe? Allez, lieutenant. Comment? Pardon, lieutenant, je vous laisse interroger. Ouais, vas-y, dis-moi toi. Veuillez éteindre le moteur. Alors attendez, venez là, 36. C'est un truc de malade. Vas-y. Veuillez éteindre le moteur, descendre du véhicule. Je vais prendre vos papiers et carte d'identité. Ouais, si vous avez des échos sur certains genres, c'est leur micro malheureusement. Mais là, l'écho, c'est. Ah, mais on a plein de véhicules. On est dans une zone grosse. Bon, attendez, mais suivez-moi. On a tout ce qu'il faut, ouais. Allez, on y va. Au pas de course.
Ok, ça c'est le véhicule du suspect. Affirmatif, hein. Je peux jouer le suspect si vous voulez. Je vais aussi faire le suspect. Ah bah j'allais me proposer aussi. Vous ferez après, capitaine, vous ferez après, pour l'instant on montre okay, comment okay. ça se passe. Attends, ok, on... pas pour moi. Voilà. Déjà. Ping. Un rookie, pardon. Hein, la route est ici, le véhicule est prêt à partir. Le véhicule du suspect arrêté à droite, normal. Vous avez mis les gyrophares, il s'est arrêté à droite, tout va bien. Vous attendez qu'il descende, hein, on ne sait jamais. Donc vous criez, si vous avez un mégaphone comme le capitaine, vous criez « Monsieur, descendez du véhicule !» Il descend, vous descendez, donc vous êtes deux conducteurs. Il va un peu derrière la porte, du coup, je vous montre. Il va ici. Il va pas à côté de la fenêtre. C'est compris ça ? Le passager, il va dans l'angle du véhicule. Comme ça. Il regarde la plaque. Il regarde si tout va bien. Si c'est bien son véhicule, etc. Dis-moi. Je voulais juste rajouter aussi que faut toujours descendre. Pas mal, hein ? Je l'ai dit, je l'ai dit. J'aime pas les échos. Mais hey, Greg, il aime rien, les gars. Il est aigri. Attends, le conducteur, celui-là oui, le conducteur. Ah, oui, moustache, il y a rien qui va là. Tête de j'ai oublié de le dire. Ok. Lui, il est toujours en live, les gars. Bah, allez-y. Mais j'ai pas fini. Il est toujours en live. C'est tout de fou. Là, je mange juste le placement. Là. Très belle position, mon capitaine. Voilà. Donc, une fois que vous êtes placé, je vous invite à me suivre, sinon vous allez bien m'entendre là au fond. Donc, une fois que vous êtes placé, vous êtes ici, bien évidemment. Normalement, le mec est sorti. Hein. Donc, voilà. Là, vous lui demandez ses papiers d'identité, etc. Ouais, il est en live. Ok, il est venu en hélico là. Ouais, je laisse la rediffusion. Ok. Ok. Du coup, vous lui demandez ses papiers d'identité, son permis de conduire. S'il n'a pas son permis de conduire, vous prenez le véhicule. Si le véhicule lui appartient pas, vous prenez le véhicule. C'est bon pour vous ? Attendez, s'il n'a pas papier d'identité, vous lui mettez une amende. Mais normalement, tout le monde en a. Ouais, je peux pas stopper là. Et voilà. Pour procéder à une fouille, faut qu'il ait soit un gilet pare-balles, soit un truc autour de la taille comme on a nous là. Je sais plus comment ça s'appelle. Si, il va y avoir des inters, mais là, c'est le plus chiant, c'est la formation. Justement pour qu'il y ait des inters de fou, tu vois. Non, c'est un. On est obligé, mais le problème c'est que là. C'est un ceinturon, mais. Si on fait pas les. Si on fait ça, pas ça, on aura jamais des aussi. Belles Bref, scènes magnifiques. Vous voyez à peu près. Genre, vous voyez par exemple, il peut avoir un truc autour du genou où il peut mettre une arme. Donc là, dans ces cas-là, s'il a ça, vous le fouillez. Vous faites une petite palpation de sécurité. Et voilà. est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? Oui, du coup, le passager, donc votre collègue, lui, il regarde si la plaque, il regarde la plaque, il regarde si le véhicule lui appartient. Vous ne fouillez pas le véhicule. Vous demandez d'abord au conducteur de le fouiller. S'il dit non, vous n'avez pas de prérogative pour le fouiller, donc vous fouillez pas le véhicule. Ouais. Ça s'appelle un holster. Merci. Oh, merci. Oh, tu me sauves. C'est un holster. Un holster. Ok. Est-ce que c'est un holster? Ça dort, hein. Ok. Voilà. Si. Comment il marche, si, mangeur, les gars. Bien si. Vous êtes là. Le mec remonte dans son véhicule et vous. J'adore votre que position. Il va se barrer. Merci beaucoup. Bah vous le tasez. Vous réfléchissez pas. Bien évidemment, c'est taser à la main, pas d'arme létale ni rien. S'il n'a pas d'arme dans les mains, c'est que le taser. Donc voilà, s'il ça commence à remonter dans son véhicule, vous dites-moi. Là, on a un nouveau agent de la BCSO. Bonsoir, bonsoir. Donc il s'appelle aussi 53 bonsoir. Et il va assister à une formation. 53, c'est 53 ? Oui. Ça se voit qu'il s'est mis le doigt hier, t'es vraiment un bat, Marshall. 53. Mot
Non merci, ça va aller, les arnaqueurs, les gens comme ça, non merci. Vous déconcentrez pas, il y a des formations à faire, s'il vous plaît. Avec être carré dans ouais, ce ouais, truc, ouais, ça va être bien. Attends, mais dites pas, faut que je recommence dès le début, là. Non, allez-y. Ok. Ne quittez pas. Voilà, donc s'il commence à repartir, à allumer le moteur, etc., donc vous le... C'est de pire en pire, attends. Il ne s'est pas arrêté quand vous avez mis les gyros, vous le poursuivez, vous faites un code radio. Quel est le code radio? Ah, très bien. Bon voilà, ça paraît tout bon. Normalement, j'ai tout dit. On va faire des tests. On va faire des tests très simples. Je vais faire le fugitif. Et bon voilà. Qui veut tester là? Qui veut? Là, j'en veux deux là. Ok, 04, vas-y. Et toi, chef? 77. 77, vas-y. Tu fais l'école du coup ou je commence à faire l'école? Ouais, le chat, ça va ou quoi? Je vais m'arrêter devant vous. Ça dit quoi le chat? Parce que. Attends, c'est toi qui dois faire l'école du coup si t'es passager. Ah oui, oui. C'est le passager. La moustache, on est là, hein. J'ai recoiffé un peu la moustache quoi. Donc, l'école radio bien sûr, et vous pourrez partir. J'ai recoiffé la moustache, les gars, qu'est-ce que vous racontez là? Bah non. Bah oui. Ça va Twitch? Vous avez eu des pubs ou pas Twitch là juste avant? T'as fait quoi? Je sais pas. Vous me dites quand vous êtes prêts? Tiens Thomas. Nous sommes prêts. Vous avez pas eu de pub là Twitch? Ok, nickel. Bah vous mettez les gyros, de toute façon là je fais ces tests simples, je vais m'arrêter ici donc je fais juste le tour. Eh les modos, Nas, on est d'accord, est-ce que t'as le... C'est bon pour vous? On est d'accord, tu peux lancer les pubs et tout toi non? Tu peux les bloquer, genre. Pour les gyros, c'est eux. Il y a des pigeons, gros, là-bas. Est-ce que je sors une arme, le chat, et genre, je tue un pigeon, là-bas? Bon, allez, je vais m'arrêter, là. Je suis un truc sans. Bah, mettez les gyros, du coup. Voilà. Allez, on descend. Bonjour monsieur. Donc là ils sont en train de faire leur scène, hein. Ils s'entraînent évidemment. Bah très bien, et vous? Bien, merci. Vous trouvez pas que vous roulez quand même un peu vite? Sincèrement, je suis désolé, ma femme elle est en train d'accoucher et tout. Désolé. Ah mais vous savez, votre femme va pas accoucher, mais vous pouvez tuer d'autres personnes et puis ne jamais arriver à l'hôpital, là, vous savez. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Je suis désolé, je reconnais mon erreur. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez les papiers du véhicule, les papiers personnels? Bien sûr, bien sûr. Attendez, je vous donne tout ça. Tu peux vérifier la plaque, s'il te plaît? Oui, oui. C'est quoi son nom? Georges de Balzac. C'est moi-même. C'est la première fois que vous êtes inconnu. J'ai fait du sport. Ah. Non, c'est pour le coup, c'est mon véhicule. C'est votre véhicule, mais nous non, non, mais c'est normal, c'est pas mon véhicule, mais c'est mon véhicule. D'accord, bon. Alors, je pense que. Permis de conduire, bon, je peux les monter. D'accord, parfait. Est-ce que c'est la première fois que vous faites contrôler pour la vitesse? Vous allez bien, capitaine? Ça va, je m'étire un peu le coup. Vous avez rien de particulier sur votre véhicule? Affirmatif, si vous voulez partir en patrouille, vous pouvez. Oh, négatif, je regarde. Sur l'équipe, collègue? Oui. Je regarde un peu comme vous là. Du véhicule ou de lui? Ah, de lui. De moi, non. Ils sont juste choqués comment je regardais. Du coup, j'ai pas d'armes, si jamais. Ok. Ok, bah c'est bon. C'est tout bon? Oui. Un peu les... Bon, ça sera juste un rappel à l'ordre cette fois-ci. Faites attention la prochaine fois. Et attention. Comment on en vient voir? Merci monsieur. Y'a pas de soucis. Dites-moi. Au revoir. Au revoir. Pas mal les petites scènes comme ça. Ouais. Ok, c'est.
Mais RDM bouge de là, mais ça enfuit. Mais RDM en fait il veut me voler mon business les gars, il veut récupérer, genre le mec il fout rien, il veut récupérer mes vidéos, les mettre sur TikTok, se faire de l'argent. Et en plus de ça genre il est même pas sub à la chaîne Twitch. Mais les gars lui c'est un champion les gars, mon champion. Oh. Vous êtes prêts? Ok. Veuillez descendre du véhicule, s'il vous plaît. Moi, je fais ça, chef. Hop. Jetez la clé par terre, s'il vous plaît. Oh, merde. Non, j'ai rien sur toi. Non, attends. Attends. Ok. Alors, je jette la clé par terre. Hop. Oui. Je peux voir vos mains. Oh, merde, elle est sur toi. Bon, c'est pas grave. Montrez vos mains, s'il vous plaît. Je sais pas comment on fait pour lever les mains ici. Y. Voilà, c'est mieux. Bon. Bonjour. Non, pas du tout. Alors, vous avez passé un peu rouge et vous prenez... Ils sont passés en... Ah. En 10-46. Est-ce que vous avez les pépites ou les... Non, je vais commencer. Je vais continuer les lèvres moustaches et tout, les gars. Ouais, on s'en fout. Sûrement. Très bien, là, je suis en mode RP, les gars, moi. Je suis le streamer le plus investi de Twitch et de YouTube. Alors, attends. Vérifie. Faites quoi? Hop, bouge pas. T'as vu, j'ai pas mes papiers, donc vous allez me laisser repartir et ça va se passer comme ça, c'est bon? Pas du tout. Vraiment que si. Allez, regarde, t'as un taser, Bon! T'as un taser! Remontez dans le pied. Allez! Si vous voulez partir, élève les mains! On vous accompagne jusqu'à votre voiture, y'a pas de problème. Voilà, ça marche, merci. Regarde, Clairement que si. Avec tout le respect que je vous dois aussi, clairement que si. Là, au moment où vous êtes en train de faire l'exercice, vous n'avez pas le doigt sur la gâchette. Au moment où on est pointé et que le monsieur il a le doigt sur la gâchette, si je l'otage avec la pression des volts, il va appuyer directement sur la gâchette. Parce que le corps, il se contracte directement. Donc à ce moment-là, mon collègue, il est touché directement. Mais non, mais là, chef, tu cherches juste trop les détails. S'il te plaît, casse pas les couilles aussi. Oui, mais là, c'est un exercice. Donc vous n'avez pas le doigt dans le tirette. Mais s'il te plaît, fais pas chier, merde. Putain, c'est un truc de malade. J'aurais pas dû le prendre, lui. Bah, viens là, toi. Tu lèves le doigt, là, tu viens. Toi, tu retournes à ta place. Frère, il a sorti un vrai. J'avoue, frère, faut pas abuser. Je suis du même avis que lui. Oh putain, mais c'est pas possible. Ouais. Mais vous êtes chiant là ce soir. Ah bah merci 04. Viens là, 04. Viens là, 04. Allez, toi, tu retournes à ta place. Alors, moi, je trouve. Je vais juste. Qu'il y a une personne dans le dos, donc il l'aurait jamais vu si t'avais tiré. Je vais expliquer parce que c'est important aussi que je donne mon avis, parce que je regarde. Je suis du même avis que mon collègue, évidemment. Donc l'officier... Capitaine. Lieutenant, pardon, ok. Autant pour moi. Donc ouais, je suis du même avis que le lieutenant. Quand vous allez arriver en vraie situation, détente ou pas, les personnes que vous allez avoir en face de vous, ils chercheront pas le détail, si j'ai envie de vous dire clairement. Donc pour moi... vous faites ce que vous avez à faire et c'est très bien ce que le lieutenant vous a dit en fait. Ne cherchez pas le détail, même si pour vous, et je comprends, vous avez sûrement vu ça dans des films, etc. Là, on est dans la vraie vie. Donc voilà. Les personnes, par exemple, qu'il y avait hier, qui étaient sur l'intervention hier, si, j'aurais pu moi-même, par exemple, accélérer
je l'ai pas faite alors que j'aurais clairement dû en fait le faire. Donc voilà. Nous ne pouvons pas aller dans des détails trop poussés non plus. Ah, je termine. Et puis là surtout en fait, j'aurais pu entendre ce que tu disais, mais là t'étais vraiment dos à lui, tu voyais même pas. Mais il n'aurait jamais eu le temps de réaction de Il est Gémeaux, alors il s'est passé quoi? Le truc c'est quoi? C'est que là on est dans un exercice, messieurs. Alors moi je parle parce que comme j'ai mis dans mon CV, j'étais capitaine de la gendarmerie garde nationale républicaine portugaise. Ah, ouais, mais ici on a nos règles, monsieur. Oui, monsieur mon capitaine. Au moment où on nous pointait avec une arme, il faut savoir que vous prenez 250 000 volts de avec votre taser. Ah oh non, mais il fait chier lui. Hein. Contracte. Ah non, mais il fait chier. On n'a pas les mêmes tasers. Non, mais en fait. Ça, 10 minutes là, il dit d'ailleurs, la même chose. Je vais vous dire un truc. Replacez-vous comme vous étiez. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Et je peux rajouter un petit truc aussi. Je peux juste me permettre un truc. Attendez, je vais juste lui montrer que par A plus B. Voilà. Donc, lieutenant, remettez-vous où vous étiez là. Voilà. Ouais. Voilà, remettez-vous. Remettez-vous exactement comme vous étiez. Voilà, il y avait quelqu'un ici là qui était devant. Il était dos, on est d'accord. Donc voilà, rebraquez-le. Allez-y. Voilà. Allez, vous levez les mains, vous monsieur. Vous êtes dans son champ de vision qui ne voit pas, d'accord. Donc c'est-à-dire que là, en gros, votre collègue qui vous voit, qui lève les mains, il vous voit lui. Donc il comprend que quand vous allez le taser, il pourra se pousser. Il pourra se pousser en bon moment. C'est à vous de vous coordonner indirectement. Donc là, quand vous le tasez. D'accord, quand vous le tasez, directement votre collègue, il doit savoir à l'instant T, il doit automatiquement partir pour se mettre en sécurité. Vas-y, fais le test. Là, c'est à lui de partir directement. Ouais, j'ai même pas le temps de tirer, les gars. Donc, il peut avoir le doigt dessus ou quoi que ce soit, ça contracte tellement ses muscles qu'il pourra même pas appuyer. Théoriquement, même quand le taser, il vous tase, ça contracte le muscle, mais ça contracte pas les membres que vous avez. Vous êtes, en fait, vos membres sont automatiquement détendus. Vous êtes déjà pris un coup de taser? Vous avez déjà vu comment c'était? Bah bien sûr, j'en ai pris 3, donc c'est pour ça. J'ai et votre jambe, et votre jambe, vous avez réussi à la plier quand vous êtes fait taser, par exemple? Ah bah non, mon voilà, votre jambe, elle fait quoi? Elle se détend automatiquement. Ouais, mes mains, elles se sont fermées comme si je voulais donner un coup de poing. 10. Oui, je suis derrière vous. Ah, 30. Pardon. C'est bien, ouais. Je te le dis. Je te le dis, vraiment, je n'ai pas eu le temps de tirer des comptes, vraiment. Oh, putain. Bah, super. Ça vous allait bien, commandant? Oh, bah là, je pense que. Mais continuez votre formation, c'est bon. Bon, ok. Oh, il a vieilli en prenant un coup de crosse. C'est bon, continuez votre formation. Du coup, attendez, il y a eu un petit souci technique là. Tasse-moi, vas-y. C'est bon, il est de retour, vous inquiétez pas. Ah, bah d'accord. Déjà, il faut que le taser soit performant. Ah, commandant adjoint, vous avez un peu de mal avec le taser là. Ah, voilà. 10-84, besoin de 10-84. Vous en voulez un coup aussi? Non, ça va. Collègue à terre. Est-ce que vous avez vu? Ah, putain, collègue à terre. Ouais. Ah! Alors, Je vais s'occuper, ça va venir. Il est où, 10? Non, j'ai pas vu. Je suis là, commandant. Ah non, c'est pas vous qui avez votre prénom. Celui qui. Le monsieur par terre là, le lieutenant, il m'entend? Est-ce qu'il arrive à communiquer? Je crois qu'il a le nez cassé aussi. Est-ce que vous voyez des numéros par hasard? Oui, c'est. Ouais, mais ça va venir, t'inquiète. Ok, ça va. C'est qui? C'est. Ah, du coup, commandant adjoint, vous voulez que je vous dépose? C'est qui là en face de moi, s'il vous plaît? 36? C'est 30, mon commandant. C'est 77, pardon. 77. Ok, donc ici c'est 77. Alors, moi, attendez, moi je jute la personne qui s'est embrouillée avec le lieutenant, s'il vous plaît. Regarde le live. Aucun embrouille. Mais vous devriez le faire d'ailleurs, c'est vrai. C'est vous. On brouille, non? Non, pas embrouille, mais juste venez voir. Le désaccord. Bah, c'est-à-dire qu'il se base par rapport à son ancienne vie, mais oui, nous, c'est mais... on a notre vie à nous, on a nos règles, c'est notre pays. Exactement. En fait. Exactement. America. Voilà. Vous allez bien, lieutenant? Bah, je pense qu'il va sauter malheureusement pour lui. Mais hein. Du temps à venir quand même. Hein. T'es un rookie, tu t'es pas censé dire à ton supérieur ce que tu as.
Ça n'existe pas ce truc là en fait. Je crois que vous avez le nez cassé, hein, il saigne beaucoup. Est-ce que vous voyez des numéros, lieutenant? Parce que je peux vous aider, moi. Lieutenant? Je crois qu'il est KO. Je crois que bientôt je vais voir un numéro de sa carte bancaire. Attendez. Il y a personne qui sort les premiers soins ici? Moi je pourrais, mais Essayez 199. 67 à centrale. 199 ouais. Finalement, le potentiel mec ne peut plus. Qui lui fait un massage cardiaque? Ah, attendez, c'est bon, ça va venir. C'est bon, j'ai 199, ouais. Vous avez vu vos numéros? Bah voilà, bah c'est bon, bon, c'est le loto, exactement, c'est très bien, merci beaucoup. Vous allez bien, lieutenant? Ouais, ça picote un peu là. Ah, je crois que vous avez un petit bleu. Ouais, je crois que vous avez vos règles. Ah, je crois que le lieutenant il peut vous prêter des excuses, hein. C'est le moindre. Non, mais attendez, il est en train de se faire engueuler, mais y'a pas de soucis. Bon, en tout cas, c'est nous qui appliquons les règles. Vous avez en aucun cas le droit de donner votre avis. C'est notre. Vous le donnerez quand vous aurez déjà évolué, je pense. Surtout qu'il est lieutenant, genre, au pire des il peut après lui parler, il dit moi j'ai eu de mon passé, je sais que ça arrivait des trucs comme ça, et puis voilà, fin. Exactement. Il a vraiment insisté et tout, donc. Honnêtement, mon capitaine, il a perdu ma confiance. Après, le passé, c'est le passé, on est dans le présent. Après, s'il a fait. En même temps, s'il a fait truc au Portugal et que son arme de service c'était un parfum, les gars. Il y a du ciment dedans. Par contre, mon capitaine, 77, il a entendu dire quelque chose, c'est grave quand même. Capitaine ? Je vous écoute. Il a entendu dire. Capitaine, je vous laisserai. Comment dire, à part si vous voulez continuer les formations, si vous voulez. Non, c'est bon, fini. Je voulais faire le test. Même le capitaine, si vous voulez un de vous deux partir en patrouille, je vous laisse. Hein. Ok, ça marche. Vous avez autorisation de partir en patrouille, hein. Vous n'êtes pas obligé de finir les formations. Mais formation finie, de toute façon, hein. J'ai fini ma formation patrouille, reste à faire. Et quand est-ce qu'ils auront leur réponse, commandant? Parce qu'en ville, ça craint des gains, hein, comme on dit à Marseille, en France. Je pense que je vais la mettre ce soir. Vous allez me donner leur rapport de formation, et puis. Ça marche. De toute façon, vous allez passer dans mon bureau. Parce que quand on est tombé face à un gang, eux, rookie par rookie. C'est pour ça. Il manque juste le placement de véhicule. Bon, le placement de véhicule, si vous voulez, on peut le faire demain. Ça me dérange pas du tout. C'est comme vous voulez. Est-ce que vous êtes encore disponible un peu? Moi, je pense qu'on devrait tout faire là, comme ça, on sera tranquille. Hein. Ouais, et comme ça, moi, comme ça, au moins, je me dis, je serai pas obligé de venir en ville tous les soirs. J'ai des agents à qui je peux faire confiance. Donc, ça me dérange pas du tout. Commandant, j'ai une petite question. Ouais, cher Antil, dites-moi. Pete, un peu débile, mais c'est quoi la formation Pete? Alors la formation PIT, c'est quand tu pouvais rentrer dans un véhicule en course poursuite. Bon, ça, elle sera permis à un certain grade. Je vais pas vous la laisser à des cadets, bien sûr. Il faut pas être. Donc voilà. Bon, on va faire le placement de véhicule et après, je crois qu'il reste que ça. Bon, et après le PEPA, de toute façon, ça sera le capitaine 18 qui vous le fera demain. Il a reçu mon. Donc voilà, le placement de véhicule, vous savez comment ça se fait ou pas? Ouais, c'est sûr, ça veut. J'ai peut-être une idée. Dites-moi tout. C'est 10. Pas un véhicule devant et un véhicule derrière pour éviter la fuite? 18, affirmatif, c'est 18, bien 18, ça. 06, après, 22. Il y a quand même. C'est ton code téléphone. Bon, je pense qu'on va aller en face du cas. Comme ça, ouais. On va tout expliquer. C'est ça. Putain, le mec, il y a Lucas. Comme ça, on parle de la base militaire et on pourra aller directement au poste de police. Lucas, après, il est allé, les gars. Il va essayer de me voler le téléphone, hein, lui. J'ai une petite question aussi. Par Lucas, il a essayé le code. Je vais le changer dès ce soir. Je ne sais même pas essayer de me le voler, évidemment. Il n'y a rien dedans. Mais voilà. Comment? C'est-à-dire? C'est-à-dire, imaginons que cette voiture-là... Merci, Barrix. Merci beaucoup, Karim. Et que, du coup, ils ont déjà deux véhicules sur eux. Merci pour le sub, mon ref. Est-ce qu'il y a un troisième véhicule qui s'est anticipé les petites ruelles, etc., qui prennent? Les quoi? Les Patrick Bruel? Non, les petites ruelles, mon gars. Ah, d'accord, okay. Capitaine, là, non, mais là, vous êtes trop... Non, là, c'est... Faut arrêter d'écouter du Patrick Bruel. Après, ça dépend des
deux patrouilles qui sont en course poursuite. Les gars, moi je si me dis là pour le moment, c'est, la vérité, c'est je vous dis pour le live. Savent où l'individu va aller. Là je fais ça tranquille. Très fort pour reconnaître la ville. Je suis tranquille. C'est il y a pas les cadets, le les monde. Nains, les rookies nains. Malheureusement, oui, mais après, un troisième moi je vais patrouiller avec après, de la musique et qui va faire ouh, assassin de la police. T'inquiète pas, vous inquiétez pas. On va faire ça bien. Faut pas en rajouter plus si vous êtes 5 sur une course poursuite. Donc il y en a deux qui repartent en, course, en patrouille, et puis voilà. Affirmatif. Donc voilà, bon, je vous laisserai monter dans les véhicules, on va aller dans une flica, devant une flica, et je vais vous expliquer en même temps. Au moins on sera tranquille là-dessus. Celle de l'autoroute. Oui, voilà. Et moi je monte dans le véhicule en direct. Voilà, je passe en truc les gars comme d'hab. Je trouve un moyen de le faire sur le, la manette. On a une place encore ici. Hein. Tout le monde, tout est bon là ? J'ai l'impression que personne à pied. On... Un canard à droite là. 04, vous vous occupez de la truc ? On va où ils ont dit ? La banque sur l'autoroute. Ah, okay, sur l'autoroute de l'Ouest. Tango 103, 17 vers la banque. Allez-y, passez, passez, allez-y, allez-y, allez-y. Et ils roulent avec la portière ouverte. Bah, ils sont fous ici. Adep 70, on attend tous les véhicules. De toute façon, vous nous suivez avec la Mustang. Il fait quoi lui ? Ah, c'est moi, je suis là, je vous attends. Je ferme le coup, je suis arrivé. Allez. Il est beau notre voiture, elle est belle hein, quand même, j'aime bien celle-là. En vrai, elle est très sympa. Voilà. C'est qui avec nous? Il y a 04 et 56. Capitaine. 56. Vous allez bien 56? Ça va. Vous avez réussi à passer vos tests correctement? Oui. Eh bah parfait. 04, c'était comment vous? C'était nickel, tout s'est bien passé, plutôt facile même. Bon bah ça va. Vous avez, vous avez hâte de remonter en grade? Ok oui. Bien sûr. Non vous inquiétez pas, hein. Je suis vous, moi, okay. Vous inquiétez pas. Moi sûrement pas les mêmes choses, hein. Votre vitre il doit y avoir de la buée. Hein. Ouais, ah, c'est des lunettes. Ouais. Un peu des foufous ici dans cette ville. Hein. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est conduire. Hein. Bon, j'espère qu'il va pas y avoir un Red Bull donne des ailes. Bah là, je pense que le Red Bull il va faire dans l'eau. Là. C'est vrai qu'on a la voie là en fait. Je suis en train de. Ouais. Bon, c'est la dernière formation que vous avez à faire aujourd'hui. Le PPA pour le port d'armes, bah, ça sera demain. Ouais, c'est notre capitaine qui nous fera passer. Et après, on partira en patrouille directement. Ok, oui. À part, a priori, il y aurait du mouvement en ville. Hein. Aujourd'hui, j'ai eu des... beaucoup d'appels. Un peu de quel type? Bon, un peu de tout. Ça bougerait. Il y aurait de quoi en arriver. Des nouvelles d'ailleurs de la personne de Secure Mine qui s'est fait enlever par rapport à les corpuscules qui les ont enlevés. Des nouvelles de quoi? Les corpuscules qui avaient enlevé le responsable de Secure Mine. Non, malheureusement, on n'a aucune information là-dessus. C'est bien dommage ça. Ouais, on va oui. enquêter sur ça. On enquêtera évidemment, mais pour le moment, il n'a pas déposé plainte déjà donc. Ouais, c'est assez bizarre par contre. Malheureusement, ouais, c'est un peu bizarre. America.
Bravo. Nickel. Je suis fier de vous là, comment vous avez fait commandant, vous êtes incroyable. Ouais je sais, c'est mes petits talents. Ah bah ça, rien à dire hein. Bonjour mon capitaine, respect. Mes respects, vous êtes quel grade? KD 16, c'est la KD 16, exactement. Est-ce que tout le monde l'a pas fait ou pas? Non, en fait, faut juste retenir ce que je vous ai dit, les gars. Après, de toute façon, comme le shérif, comme il l'a dit, là où vous allez le plus apprendre aussi. La voiture a été laissée là exprès? Oui, c'est moi, c'est okay. Volontaire. Ok. Par contre, j'ai une barrière dans les mains et je peux pas l'enlever. Ah! Voilà, ouais. Faites attention, restez-vous en sécurité là. Mm-hmm. Vous avez une barrière, vous n'arrivez pas du tout à l'enlever? Bah, du coup, je l'ai placée. Ah, bah, c'est pas grave, ouais, laissez-la là, c'est pas un souci. On l'enlèvera plus tard. Ouais, on va dire ça protège le véhicule. Voilà, exactement. Allez, avec les autres. Je vais mettre en rang avec les autres. Donc est-ce que tout le monde m'entend là? Oui mais on voit pas de... On le voit pas de... Et... Wow. Il y a pas de demande de rôle. Si, il y a demande de rôle, il y a rôle, c'est... En haut. Il y a pas non plus. Je vous assure qu'on le voit pas en tout cas. Ouais, il y a un petit problème, ouais, faudrait qu'on règle ça. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Yes, bon, en attendant, mettez dans discussion, cher. Ouais, je suis dessus. Discussion, bon. Vous savez comment on se place pour durant une. Voilà, j'ai pas parlé, je commence à être fatigué. Comment on se place durant une flicker? Ouais, dites-moi 04. Alors, je pense qu'on se met à une distance pas trop proche de la banque et qu'on bloque les véhicules civils sur les côtés. Ok, donc en gros, si j'ai bien compris, on met deux véhicules de chaque côté. Ou en tout cas des officiers qui sont postés pour empêcher des civils de danse. Tu peux faire une démo? Ouais. Ouais. Donc là, le chat. On fait la dernière formation, la formation braquage. Sur laquelle il y aura plusieurs effectifs plus tard. Ça va être pas mal. J'ai pas compris, Squall, ce que tu m'as demandé, frérot. Ça va, Fegito, le chat, il se passe bien, en vrai, ils sont cool ou pas ce soir, là. Du coup, sur les côtés des barrières, pour empêcher... Je vois, quand il y a pas beaucoup de gens qui commandent, généralement, c'est que les gens, ils sont en plein écran. Et quand il y a trop de gens qui commandent, c'est que soit ils s'emmerdent, soit je sais pas. Est-ce que le chat va bien, là, les deux chats, là? Twitch, YouTube, est-ce que vous allez bien? Mettez des messages, je vais voir si les gens qui dorment et ceux qui dorment pas, là. Je crois que d'ailleurs, ici, les barrières, on peut pas les enlever. Alors ça c'est un peu compliqué. Oui, j'ai tenu à dire ça, les barrières il faut en mettre le moins. Voilà, le chat vous êtes là, ça fait plaisir. Mets-le dans... Y'a que moi qui regarde sur ma télé. C'est vrai, eh oui, si vous regardez sur la télé, moi je regarde les vidéos YouTube sur la télé. Il faut être minimum 6, avec la Henri si possible. Donc voilà. De toute façon vous allez bien. Y'a pas trop d'action en réalité, c'est le truc comme j'ai dit le plus chiant, mais après... L'état-major, on va faire les braqueurs. Je le sens. Aujourd'hui en ville, il y a du monde, je crois. Je sais pas, il y a combien de personnes actuellement, mais. Attends, je vais me mettre en mode admin. Bah, tu vois, 53 personnes connectées, les gars. Donc, autant vous dire. America! Oui. C'était déjà non, en fait, les braqueurs. Là, ça, il est dans ton groupe aussi, ils m'ont expulsé. Je vois pas de. Je comprends pas ce mal. Ok, j'observe. Je vais faire le bétage, s'il vous plaît. On va faire l'otage. Lieutenant et capitaine, on va faire les braqueurs. Le mec qui je fais l'otage. Commandant. On leur laisse que deux véhicules de disponibles, pas plus. Bon, attendez, je vais faire l'otage. Vous allez rigoler. Ouais, deux véhicules. Je vais faire l'otage, commandant. Bah allez-y, ah, allez-y. Levez les mains. Moi, je les laisse faire. Mais je fais quoi, moi? Viens. Je vais juste récupérer ce qu'il faut.
véhicule, c'est volontaire. Bon, allez, capitaine, vous faites l'otage. Ouais. Je vous laisse vous mettre à poil. Ah, je dois me mettre... Allez, tout nu. Tout nu, s'il vous plaît. Ah ouais, mais vraiment, genre, je dois me mettre tout nu. Moi, je voulais pas signer pour ça. Ah, bah, si. Ah, si. Bah, si vous avez signé, c'est pour des risques de... Vous avez une prime de signature pour... Ok. Bah, je vais me mettre peut-être juste différemment, comme ça. Oui, bah, à poil. À poil. En caleçon. Mais Vous pouvez laisser vos crocs. Ah ouais, en fait, vous avez pas rigolé, quoi. Ah ouais, non. Ah. Voilà. Et on est des braqueurs mouchons, là. Mais au moins, on dit... Le pantalon, on peut le laisser... Non. Retire le pompe aussi. Ok, je retire, là. Mais tout le monde va me voir à poil, là, les gars. Oui. Et oui, c'est le but. Ok. Voilà. Allez. On peut le garder son petit chapeau, ça peut être drôle. Je peux enlever ma moustache en option, non. Si vous voulez. Écoutez, non, ça reste entre nous, c'est une moustache collègue de l'adhésif. Mais c'est vraiment parce que ça pousse plus. Ok, donc le capitaine nous a monté depuis le début. Exactement. Ah, c'est pour ça qu'on voit pas de poils en bas aussi. Vous êtes un berbe. Ah, d'accord, je comprends. Allez, on enlève le pompe là, on range le pompe là. Ok, je le range dans mon calbar. Hein. Hop, dans mon huc. De toute façon, il y a mon doigt qui est rentré hier, donc logiquement. Ouais, donc logiquement, ça devrait passer. Bon, allez. Attends, mais elles sont où les recrues là? Rentre. Bon, il y a les flics qui arrivent, c'est bon. Collègue! Vas-y, je fais les négociations. Bon. Voilà, parfait. Vous êtes magnifique comme ça, capitaine. Ah, écoutez, c'est le métier, America. C'est le métier. Vous avez vu mon tatouage, America? Ah, il est magnifique. Un peu comme votre belle moustache. Exactement. 04, je prends une négociation. 1077, 1087, désolé. J'en pense. Pour celui qui fait les négos, si elles sont bonnes, tu lui valides ou pas? Non. Non, t'en feras une plus. Non, c'est le capitaine qui fera les formations de négociation. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ah là là, capitaine. Musclé, hein. Vous êtes vraiment bien musclé. Ouais, merci beaucoup. Je vous passerai bien un téton. Ah, c'est gentil. Non, ça devient trop bizarre. On a un otage. Bon, vous voulez un petit café, capitaine, en attendant? Non, moi ça va, j'ai bien mangé là. Ah, c'est parfait alors. On peut s'asseoir si vous voulez, hein. On peut discuter. J'ai un collègue à côté, j'ai un CAP. Voilà, je vais attendre. On va 50 000 pour un otage et que les véhicules se déplacent aussi pour qu'on parte. C'est tout, il n'y a pas de négociation possible. Vous avez pas une petite blague à raconter sinon en attendant? Une blague à raconter? Oula, non, je suis pas. Bah moi j'en ai une. Bah allez-y, je vous écoute. C'est quoi une girafe qui a un grand coup? Un coup monté? Vous me suivez, capitaine. Un coup monté. Allez, vous me suivez, capitaine. Je marche comme ça, hein. Allez-y. Vous êtes allez, vous restez là. Voilà, vous aidez-moi, voyez. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous êtes bien, capitaine? Ça va pas baissez du tout. Arme, monsieur, baissez votre arme. Non, je ne baisserai pas mon arme. Ils sont pas agressifs, tout va bien. Vous allez bien, mon capitaine? Et votre collègue, il s'est fait... Tout va bien. Allez, rentre. Allez. Oui, j'avance. Voilà, parfait. Tu te rends là, s'il te plaît? Tous, là je veux juste que les véhicules ils se mettent sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous imaginez bien que, regardez par exemple. Mais vous allez le faire, on a votre capitaine en otage. Il n'y a pas de négociation possible, moi j'ai une revendication, vous n'êtes pas en position de parler quand même. J'ai très peur. Ah là là, vous devriez. Merci Aline, merci pour le host. Aline, ça va ou quoi Aline? C'est bien passé, tu regardes le live ou pas? Aidez-moi! Nous sommes sur le braquage d'une banque. Et ils ont le capitaine en otage et ils demandent 50 000 et.
Aidez-moi. 10-4, bah... Vous allez arrêter, capitaine, s'il vous plaît. On est pas là pour rigoler. La somme maximale et garder tout en mémoire dans la vie du capitaine. Ils ne veulent pas, ils disent qu'on n'est pas en position de négocier, donc il n'y aura pas de négociation, ils veulent 50 000 et c'est... Faites au mieux, c'est vous le négociateur sur ceci, faites au mieux. Fait ce qui vous semble juste. C'est moi le négociateur normalement. C'est comment du coup par rapport aux 50 000 pour le capitaine? Bien bonjour Albert Le Gros. Mais il est plus en live, Anine ? Attends. Ça fait deux fois, moi j'aurais voulu l'envoyer, vous envoyer chez lui là. Il est plus en live, mon bébé Anune. Il voulait un burger, capitaine. Ah non, il est plus en live, Anune. Bah merci Anune, non. Négatif, très bien. Allez. Oh, c'est calme. Voilà. Ouais, il a coupé, ok. Ça s'est bien passé de son côté. Il a eu des soucis ou des trucs. Je sais pas trop ce qu'il a fait, mais en tout cas, je l'ai croisé en RP, c'était pas mal. Twitch, en attendant, bah, je vous mets une pub de 1 minute. Ça dure 1 minute, mais comme ça, vous en aurez plus. Una minutas. Ouais, bah lui il débute un peu là, il fait des élèves qui sont courts. Très bien, je sais ce que nous allons faire. Au lieu de déplacer votre véhicule, vous allez retirer l'enjeu. Alors nous, on peut plutôt baisser le prix de... J'ai faim gros, j'ai une faim les gars, vous pouvez même pas imaginer, j'ai faim. Je vais manger un truc de fou là, mais... Ouais, ça va, c'était cool, ok. Bah évidemment qu'il est dans le même serve, je lui ai parlé tout à l'heure. Quand est-ce que tu postes? Bah en fait, YouTube, ils ont la rediff là directement, mais dans pas longtemps, et je le redis pour les gens qui arrivent, dans pas longtemps, je pense que je vais passer full Twitch. Et je mettrai les rediffs après sur YouTube. Parce que d'une, déjà la qualité sera meilleure, pour les rediffs surtout. Ça a été toi, Eden? Pas de bug, quoi. Non, ça va. Bah après, là, j'ai un bug, là, c'est que regarde, j'ai le menu admin. Mais bon, après, je sais pas, j'arrive pas à l'enlever, ce truc, là. Il se passe quoi, là? Bah, ils ne veulent pas accepter les négociations. Attendez, je vais mourir de soif. Pensez à prendre vos boucliers. Commencez à avancer. Faites une ligne de colonne. Faites des colonnes d'attaque. Donc, n'hésitez pas, les refs, sur YouTube. Vraiment, on vous le dit, on vous le redit. N'hésitez pas à aller directement bah, sur Twitch. C'est plus une plateforme de streaming, en fait. C'est ennuyant. Bah les gars, c'est de l'entraînement. Ok, vous êtes... Monsieur, arrêtez de tirer. Reculez. À 3, tu m'engages les armes, ok? Non, c'est pas une question de rémunération. Hein. YouTube, c'est très bien. Hein. Deux, c'est pas... Ça n'a rien à voir. C'est une question de principe, en fait. Genre, je trouve que c'est plus une plateforme... Twitch, c'est plus une plateforme, tu vois, de streaming. C'est-à-dire, il y a vraiment le côté où tu échanges... Vous regardez la chaîne, vous avez des points, etc., etc. Ah, bouge pas, toi. Reste là, accroupis-toi. Je bouge pas, je m'accroupis. Accroupis-toi. 9 aux états-majors présents. Donc, non, c'est pas forcément... C'est même pas une question de revenu, en fait, ça a rien à voir. Tiens, c'est ce que tu vas faire, tu vas te mettre derrière. Ah non, elle s'ouvre pas la porte, merde. Ouais, oui, est-ce que quelqu'un peut aller récupérer le véhicule qui est sur ma droite et puis le ramener devant eux? C'est surtout une question de principe, hein, d'utilité, on va dire. Parce que là, en fait, quand je fais des lives YouTube, quand je vais mettre la rediffusion sur YouTube... les gens qui veulent regarder le RP et qui n'ont pas envie de se taper 4 heures de live, tu vois. Donc ça leur permettrait, moi, je referais le montage, je leur mettrais des épisodes de 1 heure de ce qui s'est bien passé, etc. Que ce soit évidemment cohérent. Donc je sais pas si c'est une bonne idée, vous en pensez quoi, YouTube, vous, concrètement, parce que c'est vous, Twitch, ils sont déjà là, mais YouTube, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Oh, viens devant la porte. J'ai eu l'argent, il peut partir, là. Ok, viens, tu nous suis, allez. De toute façon, on va le braquer jusqu'à qu'on voit. Viens là. Tu te mets là. Très bien. Partir les collègues. Hein. Allez les gars, désolé. T'as vu mon capitaine?
Ça va très bien, ça va très bien, ça va très bien. Venez, 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 venez. Ils ont pas fait de mal? L'entre, mais allez-y, je vous rejoins. Ok, ok, parfait. Alors, ils ont fait une erreur Adam en fait sur 10, ça. On est sur un 10-30. On peut faire des 10-20 pour les positions pour savoir où vous êtes. Et pas de l'intérieur de vos véhicules. J'ai pas sauvegardé ma tenue. Oh la dinguerie, j'ai pas sécurisé. Nous avons une dernière position connue. On a eu un petit accident avec un collègue et on arrive après. Ah, j'ai pas sauvegardé ma tenue, gros. Attendez, j'étais con en cours. Ouais, vous avez répondu ou pas, Twitch, au fait? Ça serait bien ton idée. Bah ouais, les gars. C'est une bonne idée que j'ai. Je vous dis, c'est plus pour ça. Mais bon, après, le problème, c'est que sur YouTube, les gars, là, par exemple, on est 300 sur YouTube. Donc ça veut dire qu'en gros, vous devez... Si on veut qu'il y ait 300 personnes sur Twitch, vous devez, les 300, créer un compte. À part si vous en avez déjà, évidemment. Mais voilà. Pourquoi t'as des corocos? J'ai un lag, en fait. Tu vois pas qu'il y avait des joueurs en bas, Galaxy? Je peux pas l'enlever, en fait, ce truc. Et les gars, je suis comme un keuf, là, regardez. Tu. Bon, de toute façon, là, les gars, c'est fini. On va aller en patrouille, là. On va aller en patrouille, on va voir ce qui se passe un peu en ville et tout. Donc là, ça va se passer, là, on va voir un peu ce qui se passe, on va bouger, on va arrêter des gens. Hop. Putain, les gars. Alors. Il y en a un seul au Comico. De quoi il y en a un seul? Go les bavures, il a dit. C'est parti. Ça fait 3 heures. T'as dit que tu dois F10. Mais j'ai fait F10, les gars, en fait. Je sais, j'ai vu son message. Mais Galaxy, ça marche pas F10. Je l'ai fait. En fait, quand tu vas dans gestion de joueurs, eh ben, ça marche plus, en fait. Donc là, j'ai fait. Les gars, je suis pas bête, hein. Je sais hein, comment ça marche le menu admin, mais... Problème. Ça marchait pas. Eh ben les gars, écoutez. Ça a l'air de bug. Logging Games. Allez, écoute-toi, bordel de merde. Coucou, je viens de YouTube. Bah voilà, DJ Hard GTA, merci, il vient de YouTube. C'est ça qu'on veut, les gars, des gens qui viennent de YouTube. Ouais, non, mais parce que moi, j'ai un mode staff différemment, en fait. Aiden, on est payé combien pour les vidéos? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça, on est payé combien pour les vidéos? Ouais, la team YouTube en force. Voilà, les gars, là, ça fait plaisir. Regarde, là, je vois, il y a des gens, ils viennent sur Twitch. Là, vous avez tout compris, les gars, la vérité. En plus, vous avez des points de chaîne et tout, vous pouvez devenir VIP, machin, vous avez grave des trucs. Par contre, gros, le serveur, j'arrive pas à me co, gros. Normal ou pas, là? J'arrive pas à me co, là. What the fuck? Ouais, bah j'arrive pas, les gars, à me co. Ah,
Allez là, pourquoi ça bug là? Gros, c'est insane, gros. Tac. Pas mal le taper. Ah ouais, il y a Elon Musk, les gars, sur le chat. Fufu Jumper, n'importe quoi. N'importe qui peut rejoindre le serveur. Non, 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 c'est whitelisté, les gars. C'est pas tout le monde. Hein. Va-t-il réussir à secourir d'ici 5 minutes? Bah, la même question que je me pose, évidemment. Alors, il y a pas mal de petits bugs sur le serveur. Je suis un peu deg. Pour moi, c'est des bugs qui auraient dû être fixés. Mais par exemple, personne peut nous appeler, tu vois, au téléphone. Genre, personne peut contacter la police. Nous, les EMS, j'ai dû trouver le gars personnellement, tu vois, pour... J'ai dû trouver le gars personnellement pour appeler les EMS, quoi. Donc, ça serait bien que ça soit réglé rapidement, ce truc-là, parce que ça, c'est un peu cata, quoi. Ça va, je suis... Ah, bah, ça fait plaisir. Sudetto, je crois. Je pense que ça doit être prononcé comme ça. Salut, Diego. Bah, Diego, il est sur le compte de Myriam. Mais il s'appelle Diego. Faut créer un compte et tout, flemme. Mais les gars, mais tu sais que l'Elbi, vraiment, genre Twitch, c'est très rapide, hein. Tu mets ton mail et tout, logiquement, c'est très rapide. Hop, c'est bon, je suis cool. Ah, j'ai perdu ma tenue, je suis deg, je la referai plus tard. Je suis de retour. 10-4, on va faire un dispatch et on va pas prendre pas de couilles. Attends, je suis sur la voiture de police. Wow! Et les gars, je retourne en commissariat du coup. D6 pour 30, à tout de suite. Mais le radar, il est radar de mort, quoi. Je vais au commissariat, les gars, la patrouille, enfin le truc est fini, donc je vais pouvoir y aller. Elle est belle ou pas? J'ai mis un pack de textures route, les gars, vous aimez ou pas le en vrai de vrai? On est 90 sur Twitch, là, merci en tout cas les refs qui viennent et... qui prennent le temps de venir se créer des comptes et tout, ça fait plaisir. Si jamais il y en a qui aiment les boissons énergisantes, je suis partenaire avec Oli Energy aussi, n'hésitez pas. Mais voilà, je vous mets le lien, de toute façon, les modos, si vous pouvez faire. Ça fait plaisir. Je vais toujours la tenir. Là, je m'en fous, les gars, j'ai bug de base, je suis pas censé être là. Bon, j'ai failli mourir. Hein. Clairement. Bon, je referai ma tenue demain, c'est pas un souci, enfin tout à l'heure ou demain. Et on va partir directement là. Partir avec 04, j'aime bien, c'est un poteau à moi IRL, mais j'aime bien. Je joue bien. Si je jouais policier d'ailleurs, hein, je suis choqué. Hein. Il est vraiment bon pour le coup. Je vais remettre ma tenue, les gars, j'ai perdu ma tenue, je suis un peu deg, mais c'est pas grave. Pour 63. Voilà.
liaison pour le capitaine. J'écoute. Vous êtes où actuellement? J'ai remis ma tenue, je suis là. 10-4, je vous préviens, on pouvait aller directement dans le garage, je vais partir avec le 4D04. 10-4, j'arrive. Ok, je vais dans le garage, ok. Bon bah les gars, que la scène, enfin que la scène, que la vraie vie commence. Je prends quoi comme voiture? En vrai, elle était bien le 4x4 que j'avais, non? Vous avez pas aimé? Vous préférez quoi? On part en quoi, les gars, en vrai? Je sais pas trop quoi prendre. Hein. Mustang. Ah, les gars, je sais pas s'il va vouloir. Hein. Je vais la mettre là, on verra. Hop. Taurus, j'aime pas c'est quoi Taurus. Ah c'est celle-là. J'ai regardé. Ouais, 04. Possible d'avoir un policier s'il vous plaît. Ouais. Attends, y'a quelqu'un à l'accueil, attends. 04, sortez là ce qu'il faut, hein, j'arrive. Quel véhicule? Y'a un 4x4 garé dehors hein, si jamais. Oui bonjour. Bonjour, c'est moi, c'est pour c'est pour recruter. J'ai fait un ticket sur la radio D et il y a le commandant 36 je pense. Il m'a répondu et il ne répond plus. Ok très bien. Et c'est qui votre collègue à côté? Moi aussi, le lieutenant 53 m'a demandé de venir parce que j'étais accepté et il fallait faire l'entretien. Ok, ça marche. Et l'autre personne bah derrière, bien. Vous venez pourquoi? Eh ben, un pic me fonce dans la porte, je refuse de payer les frais de réparation, du n'importe quoi. Mais le problème, c'est que vous avez pris le matricule de la personne? Ben non, mais c'était devant la station service quand vous étiez tous. Ah ouais, mais là, je pourrais pas vous dire qui était qui, hein. C'était le commandant, pour demander des frais, il faut aller au gouvernement, leur demander, mais nous, là, on peut aller venir... Madame Trottin, pour 10-41, ah bah, secteur. Eh bah, je vais faire une émeute. Bon, on ferme le coup tout de suite. J'aime bien votre coupe au gel, monsieur. Bah, monsieur, on va fermer le comico, on vous le dit, hein. Retiens, ah, oublier, hein. Oublier. Crois sur mon chien. Attendez, je m'occupe juste des monsieur, là. Pour 63, j'étais en train de louper les pieds. Commandant lieutenant, vous avez si deux personnes veux. Qui vous attendent à l'accueil. 10-4, je vais aller voir. Il arrive, du coup. Bah écoutez, pour la plainte, monsieur, bah... je sais pas après avec qui vous avez vu, il faudra voir. Vous avez discuté dehors, monsieur? Bah là, je dois partir en truc, en patrouille, mais Mais laissez, capitaine, je m'en occupe. Ah bah, il s'occupe de vous. Bonsoir, monsieur. Bah, bonsoir, du coup, je vous prends devant la... Je vous regarde, vous êtes où? Il est où 04? Oh, quoi lui? 04 pour 63. De vous tromper de... Et vous êtes pas en radio quoi? J'ai sorti un 4x4 devant. Ah, ok. Et il a dit quoi pour la Mustang? On a pas le droit? Je préviens pas trop qu'on la sorte, qu'on garde toutes les banalisées et tout pour plus tard. Ouais, raconte pas ta vie, j'ai envie. Vous pouvez venir à l'accueil s'il vous plaît. C'est pas celui-là qui est sorti, mais c'est lequel? C'est le 2020. Allez, vas-y, on va prendre 2020, il est où? Il est dans le... Bon, je passe par là, hein. Oh, Paco, Paco. Oh.
passe un truc, le chat, désolé, j'y dis pas, hein, mais je vois. Non. Hop, c'est bon. Ah, c'est fermé encore. Là, non. C'est toujours fermé. Et maintenant ? C'est toujours fermé. Attendez, je vais rentrer. Hop, je vais rentrer en train de véhicule. Je peux arrêter lui avec sa voiture là-bas. C'est bon. Bon, allez, c'est parti. Adam 103, différents inspecteurs. Il est sur le trottoir là, non ? Ah ouais, qu'est-ce qu'il fout lui ? Monsieur, il fait dédrifter tout. Non mais attends, on va contrôler sur le côté. Monsieur, sur le côté, s'il vous plaît, monsieur. Ah ouais. Mettez sur le côté, s'il vous plaît, monsieur. Et alors lui, on a pas pris le meilleur véhicule. 10-30 d'un véhicule non occupé une fois. Adam 31 aurait peut-être besoin de renfort, s'il vous plaît, au niveau du LTD, au niveau des ballasts. Ok, on abandonne, on y va. Ok, parti. Vu que je le mets sur GPS. Ouais, je veux bien. Ok, 63, on arrive. Ouais, je fasse une petite sieste après pour essayer de voir pour ma radio. Ah, vous entendez plus ? Bah, très très faiblement, quoi. Ah, bah allez-y, dépêchez-vous. Ouais, merci. Donc là, j'attends parce que... Par contre, là, on arrive chez les ballasts, il va se passer des trucs, hein, je vous le dis. Voilà. La descriptive des suspects, c'est des personnes habillées en vert, avec une voiture verte, type Karine. Ok, bien reçu, ça doit être sûrement les mêmes personnes qui ont braqué hier et qui nous ont braqué. Donc là, le véhicule ressemble. Ah, affirmatif, ils étaient pas très loin hier, donc ouais, c'est fort probable. C'était eux là. Ce qui va se passer. Ouais, là il vient en 1080p comparé à hier. Je suis désolé pour hier d'ailleurs, hein. C'était en 720 les gars, je l'avais mal réglé. Donc là, est-ce que la qualité est bien malgré le live? Malgré le fait que je stream ça. Adam 70 est arrivé sur le lieu du braquage. Ah. T'as pas sur station. Le capitaine. Ouais, vous avez plus la tenue? Non, je suis tout nu, mais c'est pas grave, on va faire un tour au poste après au pire. On peut toujours y aller, hein. Bref, on va y aller au pire, ça sera très entrable. On va au commissariat, c'est ça? Affirmatif. Je suis juste ma radio. Dépêchez-vous, vous habillez directement. Affirmatif. Allez-y. Je me dépêche. Ouais, la plupart des soirs, hein.
Allez, c'est parti. Demande-leur leur dernière position de, des suspects là. Tu les entends ou pas en radio? Non, je crois, attendez, je l'ai pas activé encore. J'ai entendu tirer là. Moi j'ai rien vu. J'ai entendu un tir moi. Il va essayer de diriger vers. On a des news ou pas là du, de la radio là? J'ai un peu peur un peu là. Bah ils m'ont pas trop répondu. Demande réitérée. Hein. De Adam 63, est-ce que vous avez la position connue de, des suspects s'il vous plaît? 70 pour 36. Ouais, LTD de. Ah, des balles. De est-ce que vous arrivez bientôt avec le. La Henri? Non, partez, partez, cachez-vous, vous allez partir directement en patrouille dès qu'il. En fait, le problème, ils veulent qu'un seul véhicule, donc malheureusement. Mais attends, il y a une prise d'otage là? Affirmatif. Non, il y a pas une prise d'otage. Non, c'est juste une supérette. Cachez-vous, en fait, ils veulent juste un véhicule. Et donc, moi, je propose que vous allez vous cacher. Et dès qu'ils partent en poursuite, vous les poursuivez. Nous, malheureusement, on a deux pneus crevés, donc on ne pourra pas les suivre. Trois pneus. C'est toujours les mêmes alors. Même gang. Ouais, j'ai l'impression. On va se prendre tout dans un coup quelque part et puis on les attend. Là par exemple, en marche arrière là. Ah ouais. Ouais, ils veulent les apprendre peine de leurs erreurs. Hein. Là aujourd'hui, il n'y a pas de pitié. Hein. Bah là, oui, clairement. Et je peux dire que moi je vais tirer hein, si jamais il y a un problème. Ah, vous inquiétez pas que moi j'étais fermé avec le taser et tout. Moi. C'est fini tout pour. Hein. On. 4. Préviens qu'on est en place, hein. La 203, nous sommes en place lorsqu'ils vont partir. Encore un braquage, quoi, alors. Ouais, bah ouais. Les mêmes, le même gang et les mêmes personnes qu'hier. Ah, c'est les mêmes. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est les mêmes personnes, mais en tout cas, c'est les mêmes gangs. Crame pas. Henri 36. Arrivé sur les. 70 pour 36. Laissez tomber pour la Henri. Je pense qu'il faudrait faire un tour dans leur quartier et puis leur mettre un petit coup de pression parce qu'ils veulent pas prendre. Ouais. DS4, allez-y, partez s'il vous plaît. Affirmatif, éloignez-vous, on reviendrait sur place pendant la poursuite, on vous fera un appel. DS4. Passez une bonne soirée, mon capitaine. Bah ouais, ça va, mais je trouve qu'ils abusent un peu niveau braquage. Bah c'est vrai qu'ils ont toujours des armes et ils braquent tout ce qui passe. Bah ils braquent surtout la même au bout de la 10e fois. Et bah dis donc à Pou, il a beaucoup d'argent tous les jours. Et bah Pou, en tout cas, il va commencer à mettre des vidéos de surveillance et bloquer ou vendre sa supérette. Moi je propose qu'on mette des S et qu'on attende et quand ils partent, et bah on les défonce quoi. Ils savent qu'on est là, hein. J'ai vu un gars passer. Hein. Chiant. Je crois qu'on a été repéré. Hein. Ils sont au pire fait un tour par la gauche dans le quartier et puis on se met quelque part d'autre. C'est comme un problème qui vient de vérifier quoi. Monsieur, on aurait dû le choper. Ouais, mais vous savez, les gens des fois ils ont un bon instinct. Apu l'épicier, beaucoup d'argent. Hein. Apu l'épicier, bizarrement. Il attire beaucoup de monde, hein. Putain, il va voir un peu, là. En même temps, avec le prix de son pain et de son eau, et je vois pas grand-chose. Je peux essayer de me mettre avec mon téléphone. Bah, prévenez au cas où il tourne, hein. Je vais aller choper, hein. Ah, j'ai avec mon téléphone au cas où je peux voir un peu zoomer. Je
70 pour tous les agents. S'ils voient plus de deux véhicules, ils vont directement ouvrir le feu, donc préparez-vous. Ils sont partis là? Non, je crois pas encore. Donc dès qu'ils sortent, vous avez autorisation soit de mettre le taser, soit vous les abattez. Vous voyez qu'ils sortent une arme, vous les abattez, vous vous posez pas de questions. Au mieux de les neutraliser. Autorisation de tirer à tous les agents, affirmatif. Alors de 10 à la centrale, on est passé à côté du club de striptease. Ça décolle tous les 2 minutes si jamais. Vous voulez pas que je conduise mon capitaine? Comme ça, moi, on pourrait tirer plus facilement du véhicule s'il faut. Êtes-vous parti en 10-31? Vous savez conduire bien? J'ai pas forcément essayé, mais... Deux régulés, s'il vous plaît. Oui, on est pas très loin du parking rouge. Mais ils sont partis, je demande s'ils sont partis. On a eu aucune position. Vous êtes partis. Merci bien. Moi, je pense qu'on est parti, il y a un go parking rouge. 70, on se dirige directement. Ouais, personne qui a dit que c'était parti. Ah ouais, moi je savais pas que c'était parti. Bah, je sais pas non plus, y'a pas de Kiako. J'ai la position connue, je vous ai mis sur GPS. Continuez avec les calls, s'il vous plaît. À mon avis, là, ils l'ont eu. Hein. Ils ont dû sortir armés, depuis où? Ils ne dépendent pas radio, peut-être qu'ils sont en train de se faire braquer, donc toi, t'as des unités. Ah, voilà. Écoutez, barrez-vous là, barrez-vous là, on a deux otages. Deux otages des policiers. En dessous du pont. Ouais, ils ont deux otages, là on est vraiment dans un truc... Je vais vous faire des calls. Des 10 à centrale, arrêtez de nous suivre, sinon ils nous menacent de nous tuer. Écoute, yo, si tu continues à me suivre, je vais le buter, tes putains d'agents là. Arrête de me suivre. Mais relâchez-les, non? Ah ouais, il arrive de me parler à une voiture, quoi. Ils vont vous donner une position de là où nous trouver. Oh, ils sont chiants, c'est dingue ça. Ouais, là c'est... Eux, c'est vraiment le gang très bizarre, quoi. Je pense qu'ils sont sur un free access, on va le dire clairement. Hein, mais clairement, là. Mais moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que... On va lancer des lance-roquettes sur leur cité, ils vont voir. C'est un jeu, on peut rien faire. On se deux policiers comme ça. Je sais pas, ils ont dit qu'ils vont envoyer une position. Je vais les suivre, j'en ai rien à foutre. Sinon, bon, tu l'otages, ils ont dit, bref. Oh ouais. Pas joueur, hein, vraiment. En montée, non. Et j'ai pas trop regardé. De Adam 63, est-ce qu'il y en a envie de déployer? Demande à Henri. La dernière position connue, c'était vers les villas Vinewood, direction le nord. Le 10-4, ils ont dit on peut pas laisser vite nous là-bas. Ils ont une position une fois arrivés sur les lieux. D'accord, par l'instant, c'est pas évident. Un gang vraiment. Vraiment. Hein. Bah, surtout que bon, c'est un petit gang, c'est pas genre le gang, c'est une mafia quoi. Non, mais de prise d'otage, machin, c'est un peu trop facile, tu vois, genre. Mais bien sûr. Là, ça devient insupportable. On a l'impression qu'on n'est pas, il n'y a pas de police en fait. Je crois qu'il y avait 10 et l'autre officier. En plus, on va aller vers leur couleur, hein, le gang. Hein. Ouais, go dans leur cité, on va remettre la pression. Ça fait deux fois en deux trucs, ils ont braqué exactement la même chose. Bah, on va aller patrouiller chez eux. Et on va faire une descente chez eux et on va faire comme on va tirer, on va prendre des gens. Ouais, mais ils vont regretter. Hein. Ils ont voulu jouer, ils vont perdre. Ok, dis-leur qu'on va vers leur quartier. Bien, ils sont motifs. Adam 63, 17 vers le quartier de ce gang là. Bon, on va aller chez eux. J'ai bien remarqué la voiture qu'ils ont. Et la voiture, les tenues... Et on va aller chez eux. Bon, c'est rien ça, t'inquiète, hein, c'est un petit truc. Oui. Ça sera mieux, ouais. Pas de soucis. Vous êtes le capitaine, moi je me suivrai pas. Mais c'est trop facile en fait. Vous êtes des rookies. Ça veut dire que vous êtes des rookies, vous avez pas d'armes, vous avez rien en fait. Oui, mais oui, ils ont braqué un officier et un rookie.
Et tu sais, ils ont réussi à prendre en otage dans leur petite voiture des policiers à quatre pattes comme ça, tu sais, sur eux, tu vois. Mais je sais, ils les ont portés, c'est n'importe quoi. Ils les ont portés dans leur voiture. Ouais, c'est... Encore, ils en avaient pris un et ils les met dans le coffre, voilà quoi. Mais là, c'était une monoplace. Ça, ils avaient, c'est normal. Non mais, laisse tomber. C'est pas grave. Vous en pensez quoi le chat? Je m'en fous, hein, je fais du HRP là. Ouais, t'inquiète. Je stream pas, sinon je m'en serais pas permis, évidemment. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais le chat, vous en pensez quoi? Parce que là, ils déraillent, hein, le chat, ils sont choqués. Hein. Le problème, tu vois, c'est que ça fait deux fois. La première fois que c'est bon, on les a laissés partir et tout. C'est HRP, tu vois, les gens. Ouais, bah, les gars, c'est ça, moi je vais tirer. Hein. Mais c'est ce qui va se passer. Je me fais avoir plus d'hésitation. Bon, on sait que c'est eux, de toute façon, c'est les familistes qui ils sont verts. Je vais me braquer en vert. Mais je vais aller patrouiller chez eux. Et délit de faciès, hein. Je chope les premiers que je vois. Y'a pas de soucis. On va contrôler tout le monde, ouais, on va genre, typiquement, ce véhicule-là, logiquement, voilà, c'est un véhicule comme ça. En vrai, on pourrait le mettre en foyer, non? Ouais, mais je crois pas que ça soit... Ok, c'est la position, je vous mets sur GPS. Ils sont loin, là? Ouais, ils sont très très loin, ils abusent. Ils sont où? 70 pour centrer la réseau, il y a un code de... 16 km. Gilles, attends. C'est Henri les hélicos. Hein. Oui, c'est ça. Qui? Deux agents à nous qui se sont fait prendre en otage. 31 et le 10, si vous me sentez. 63 pour l'unité Henri. Allez sur la position qu'ils vous ont envoyé, faudrait aller les récupérer. Hein. Doucement, monsieur, doucement. C'est simple. Ah là là. C'est des gens. Ouais, mais ils pas ici, bon, dans on va les attendre, ils vont revenir. Vers la position. Et je te jure, vaut mieux pas que qu'ils viennent, hein. Mais vraiment. Hein. J'ai une trop bonne idée, capitaine. Dites-moi. Non, c'est mon embuscade. On se cache dans leur quartier et puis on attend qu'ils rentrent. On prend des banales et tout, genre? Même pas banales, juste on cache la voiture et puis on se met genre derrière un muret et tout et on attend. Et on donne les calls si on les voit avec la voiture et tout. Est-ce que vous avez la plaque du véhicule qui est en fuite? 10-4, pas du tout, on a le modèle, on sait que ça fait partie des families, c'est le gang des families, donc on va rester en planque vers chez eux, si on a quoi que ce soit, on vous tient au courant. Les agents, ils sont libérés ou pas? Avec un chien dans une petite ruelle ou un truc comme ça. Bon bah, on va contrôler, attends, bouge pas, vas-y. Vas-y, contrôle, prends. Regarde, fouille le coffre et tout, fouille tout. Hein. Le véhicule est ouvert de toute façon, il a les fenêtres, donc tu peux regarder. Rien dans le coffre. Rien? Mets-le en fourrière le véhicule. Je vais faire la plaque pour voir s'il n'y a pas un prénom. À mon avis, on ne verrait rien. Ouais. Et vous pouvez me donner le numéro de la plaque sur... Ouais, il joue sur le. Est-ce que vous pouvez me donner la plaque, mon capitaine? Ah, pardon, excuse-moi. Du coup, alors, 49 UBN 996. Propriétaire inconnu. On va mettre ça en fourrière, c'est parti. Ouais. C'est bon, mon capitaine. Voilà. Et fais une marche arrière là-bas, il y a une petite ruelle, donc je pense qu'on peut rentrer en marche arrière dedans. Laquelle? Juste à droite là. J'entends des sirènes là. Je vous mets le code. C'est quoi ces sirènes là? Je sais pas, mais il y a un gros code dans le nord. Mais l'unité Henri est là-bas.
63 pour unité Henri. Vous êtes sur les lieux de l'inter ou pas? Actuellement, on arrive au 1099. 10-4. Donnez-nous des infos, s'il vous plaît. Mais tu penses que c'est eux? Bah, je sais pas, mais en fait, c'est un. Contre, et mon capitaine, s'ils viennent de rebraquer des agents, je vais tout casser. Hein. Bah, je vais arriver, je vais les rafales. Non, mais clairement, c'est trop. C'est forcément des policiers qui ont fait la backup. Vous pensez que c'est eux ou pas là? Je sais pas, mais. En tout cas, si des policiers ne répondent pas et n'ont pas d'informations sur ça, c'est forcément quelqu'un qui s'est braqué là. Discas, est-ce que vous avez le visuel? Est-ce que vous savez s'il y a des policiers qui se sont fait braquer ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a des individus à l'intérieur du type armé ou quelque chose comme ça? Affirmatif, ils sont en train de les mettre en haut d'un pont. Non, on prend cette voiture. Les policiers, ils les mettent sur un pont là? Oui, sur le 1089, j'aimerais aller des renforts. Ah! À 903, 17 vers le fond. Ils les ont emmenés dans un pont là? Ouais, ils les ont dépassés, ils les ont mis sur un pont, je sais pas ce qu'ils vont faire. Bah écoute, on va y aller, hein. Affirmatif. Bon bah vu que c'est autorisé, on va tirer depuis la voiture. Non, ils ont pas fait ça. Non mais on va le faire, nous. Ah ouais, ok. On est G.I. Joe, de toute façon. Ouais, en commando, hein. Je tire avec mon tasseur à travers la vitre. Piu, pistolet. On a la permission de tirer et je te dis, on va rentrer dans un truc et ça va les souffrir. Non, mais c'est trop. Madame, si on prend, on est sur la route, c'est pas ça qui est. Bah, le chat, préparez-vous parce que là, il va y avoir de l'action. Hein. Il va y avoir du storm. Non, mais sérieux. Ça, remets-moi le point. Ils s'éloignent, ils font le tour de la map, tu peux me dire un peu là où ils sont? Même endroit, ils ont pas bougé, ils sont sur le point. Je pense que c'est les collègues en gros pour qu'on se dépêche d'arriver quoi. Ça va être mort RP hein, je vous dis, je cache pistache hein. Bah dans ce genre de scène, je suis désolé, ouais. Ton capitaine. Ouais. Autorisation d'abattre. Autorisation, évidemment. Vu que c'est tout permis et qu'on braque les mêmes trucs et quand on veut. Et qu'on prend des agents de police en truc, bien sûr. Oh, je suis dégoûté en deux jours, pour eux. Surtout. Oh, je suis trop dégoûté pour eux, capitaine. Ouais, je me doute. Au pire, moi je propose qu'on demande à l'Henri de les trancher avec ses délices. Ça sera plus rapide. Oh, j'ai une meilleure idée, au pire j'arrive, je les écrase à fond comme ça. Ça serait bien marrant, franchement. Et vous dites, oh mince, je vous ai pas vu. Je vais rien mourir, les gars, je vais me mettre en god mode. Bah, je le suis pas pour mon capitaine. Ah non, mais en fait, ça me saoule, en vrai, ça me saoule, parce que c'est pas. Gros, y'a des rookies, la ville elle débute. Et les mecs ils se permettent de faire des actions comme s'il y avait 40 000 policiers, le nose, etc. quoi. Mais encore, imaginez, ils font un accident, voilà, ils braquent et tout. Après, voilà, ils vont dans la voiture et ils retournent la poursuite. T'as même pas le risque de on fait des formations. Ils sont où là? Ils sont sur le pont, je pense, juste en face. Au niveau de l'hélico, j'imagine. Dans le 103, arrivé sur ça. Et je vous confirme, les collègues sont à genoux et ils sont devant, et ils peuvent essayer de négocier, je sais pas quoi. Et la négociation est trop long. On négocie mon frère, je vais mettre une balle d'ici. Ils sont 4 hein. Ah là, j'ai dit, ça va sur les deux. Rapprochez-vous, hein, vous êtes beaucoup trop loin. Ouais, on sait, du coup, on sait. Le mec, il est pas ah, le mec, il s'est barré, vas-y, viens, on va le choper en voiture, viens.
Allez, allez, attention les collègues, attention. Dis-leur, on suit la voiture. Vous l'avez qu'il en joue. J'ai le pit, c'est grand mort. Ouais, mets ta ceinture. Des colonnes derrière. Ne vous inquiétez pas, Lynx. C'est 4 personnes. Ils sont où là? J'ai pas d'infos. Véhicule en mouvement sur le dos route vers la bande du truck. 10-4. Il a dit oula, vas-y, faut qu'il nous dise. Hein. Ah, à gauche. On voit où vous êtes actuellement. Mais moi, je vois l'hélico. Parfait, on va derrière. J'ai pas ouvert le feu sur vous, si vous voyez où vous êtes, c'est pas. 10-4. Vous avez attendu mon capitaine. Il est où? Tout droit, tout droit, tout droit. Vous arrêtez pas, vous arrêtez pas. Ils ont tiré sur l'hélico, hein. On peut les abattre. Hein. Ah ouais. Autorisation de lui faire des pneus avec mon taser, mon capitaine. Affirmatif. 10-4. Comment ça se passe avec du point avec les otages? On aura besoin de... S'il vous plaît. Le pit, après j'arrive. J'ai demandé 10-24 pour ça, le produit de parce que tu vas venir. Attends, c'est moi, ah, il va... Je crois que je vais crever un peu, je crois. Vas-y. Ok, individu abattu. Hein. Laurie, est-ce qu'on peut vous laisser, puis on retourne sur les otages? 10-4. On va se poser, attends. Essayez de vous poser sur la route à côté ou quelque chose comme ça. 5, on a seulement droit de se poser sur les hélicos. 10-4, alors retournez au niveau des otages. Alors, monsieur. Alors. Ah, vous saignez beaucoup, hein. Ouais, monsieur, là, il saigne. Désolé, hein, je vais faire le premier soir, vous allez mourir. Hein. Alors. On va avoir une backup supplémentaire sur le dernier code 99 s'il vous plaît. 10-4, unité en réunion. Je vais prendre, je vais essayer de voir. Ok, je vais fouiller la personne. Dans son front, ça va avec. Dans sa... Appelle les EMS si tu peux là en attendant. J'ai pas leur numéro. Je vais les appeler. Alors attends. Bah fouille la personne si tu peux toi. Je vais. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais les appeler. Faites gaffe, décalez-vous mon capitaine. Alors figurez-vous mon capitaine qu'il a un pistolet et 245 munitions. Ah ouais, à confisquer. Il a 8 700 $ d'argent pro. Et environ 3 000 $ d'argent sale. Tiens. Moi je pense mon capitaine, vous voulez ma supposition? Ouais. Les autres, ils essayent d'attirer l'attention et lui il est rentré dans son pario pour déposer l'argent et tout. Écoutez, les EMS sont pas là, j'arrive pas à la voir. Après, c'est de l'engrais, hein. Ça va faire pousser. Hein. Vous avez confisqué, c'est tout bon? J'ai rien confisqué encore.
Attendez. Prenez ce qu'il faut, on va mettre directement dans le coffre. Je prends tout même l'argent. Ouais, prenez ce qui prenez son sac d'argent, je pense que c'était un sac à mon avis ou je sais pas. Oui, je pense aussi. Notez bien hein, ce qu'il avait sur lui hein, comme ça. Biscuit. Hop. Attendez. Une unité disponible pour venir là où on est, s'il vous plaît. On aimerait retourner sur les lieux afin que je négocie avec les personnes. Et mon capitaine, il va pas bouger encore parce qu'on est là-bas. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'il mérite en vrai. Moi, je vous dis, tiens, ça va pas enlever. Hein. Il va faire pousser les plantes. Hein. C'est bien pour la diversité, ça. Ouais. Vous avez confisqué tout ce qu'il fallait ? Disquette. Je vais demander, mais on va voir. Je vais juste réfléchir un peu pour voir où je peux poser les deux. Parce que j'ai fait une petite photo de tout ce qu'il avait. Ok. On peut pas le mettre. Ouais, non. J'allais dire mettre son corps dans le coffre, mais bon. Non, on va inquiéter, il va pas bouger de toute façon. Je reviens. Bah écoute, on va aller sur le truc, hein, et puis. Eh ben affirmatif, moi je vais juste réfléchir un peu et poser tout sur l'intranet. Ouais, les amis. Et genre. Son véhicule, vous l'avez fouillé? Non, je pense pas, je vais le fouiller. Pourquoi il est sur le pont? Les gars, au bout d'un moment, ça joue comme ça, bah je suis désolé, hein, moi je vais jouer comme eux. Hein. Des Avengers, donc. Ah, mais c'est bon, c'est pas. Ok. Hop là, les MS ils arrivent. Oui, il a rendu, vous pouvez y aller, c'est bon. Sans cerveau. Ouais, au bout d'un moment, fuck, hein. Je vais arriver là-bas, vous allez voir. La scène va être réglée. Je sais pas pourquoi je perds mon temps, ils ont plus de véhicules, ils peuvent plus rien faire, là ils sont obligés de se rendre. Ah. Je suis désolé, hein. Aux États-Unis vous pouvez être qui vous voulez, quand la police vous arrête, vous avez peur. Je sais pas où j'ai mis la photo, faudrait que je la retrouve. Ah, Radio 6, attends. Radio 6 ? Ouais, c'est des EMS, tu peux Radio 6 ?
Je leur dis quoi pour le cadavre? Tu leur dis, ouais. Tu leur dis, près des villes, on revient. Scat. Il faut absolument faire un truc pour les EMS, je suis désolé, il faut un numéro de téléphone, un truc. Au-delà des radios, ouais, je parle, hein. Mais c'est oui, vrai que les EMS, sûr, là, gros, on peut même pas les contacter, ils ont pas de taf, gros. Non, c'est trop. Franchement, je sais de... J'essaie de faire le coup, ouais. De Rookie04, est-ce qu'il y a des EMS qui m'écoutent? Alors, nous avons neutralisé une personne au niveau des vignes dans le nord, est-ce que vous pouvez vous y rendre ou pas? Je vous remercie, je vais vous envoyer la pause. Ou un pire, elle va être à l'hôpital. Vous tombez bien, j'ai des pauses de temps, madame. Vous allez bien? Respect. Ça va bien, vous? Bien sûr. Est-ce que vous avez un mail? Je pourrais vous envoyer la photo de la localisation. Monsieur. La personne est neutralisée, donc je pense qu'une personne sera suffisante. 67 pour central, je vais prendre un Nelson, des Nelson, c'est et... maintenant, yo. C'est on maintenant, enfoiré. Yo, je t'aime, yo. J'ai toujours un mec. Eh, descendez. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire ça? Ah, ils sont morts, hein. Vous les foutez quoi? Non, je crois que ça bouge encore. Est-ce qu'on a une unité en William? On peut tirer ce qu'il s'il faut, hein. Après, il a sauté, notre collègue. Bon, heureusement qu'il est formé pour, au moins, lui, mais... Ouais, mais vu la hauteur, je pense que l'eau, là... Ah, y'a un poisson vers lui, y'a un poisson vers lui. Tirez son poisson. C'est bon. Ah, vous allez. Bon, allez. Ouais, il fait bien la toupie, au moins. Allez. On a un agent à lire. On a les EMS sur la 6, hein, si vous voulez, en radio 6, mais bon. Ouais, les ELD. Vous, allez, passez une bonne soirée, les gars. Allez. Bonne soirée. En tête, t'es où? Ah, 04. Est-ce qu'on pourrait rester sur les lieux comme ça je leur envoie la position aux EMS? Ouais, négatif, mais c'est ça, ça. Ah ouais? Ouais, affirmatif. De là où ils ont sauté. Non, mais je parle pour le gars Devine. Ah, le gars Devine, ouais, bah écoutez, le gars Devine, ouais, on va y aller, on va voir. Nous allons retourner sur place pour vous envoyer la pause, inquiétez pas, mais comment ça allait au niveau des vignes dans le nord? S'il y a encore, hein, parce que bon. Oui. Je crois qu'ils étaient dans Indiana Jones, là où je sais pas ce qu'ils sont pris, mais. Pas, c'est des fous, mais... Ah, mais je pense que leur épisode il a duré 2 jours. Ah, c'est trop. Ah, du coup, une scène de Gaulmont, mon ref. C'est quoi cette scène? C'est maintenant. Il a dit c'est maintenant, c'est maintenant ou jamais, Nelson. Et hop, ils ont sauté. Je... Ok, ouais. Ouais, je sais pas, c'était un film, c'est vraiment des fous. Et gros, je. Attends. Ah non, ok, j'allais dire parce que je reçois encore des... Je me suis pris des droits d'auteur sur les dernières vidéos, là, c'est trop. Pourquoi? Pour de la merde. En gros, c'était pour la musique que j'ai mis en début d'intro. C'est pour ça qu'il n'y a pas de musique, les gars, je mets pas de musique, moi. Comme ça, je m'en mange rien, parce que laisse tomber. Après, comment je me fais à manger, moi? C'est vrai. Comment tu m'offres mon taco sans fromage? Exactement. Commandant, dis, vous êtes là? Il est où l'autre bouffon là? Je vous ai mis la position, mon capitaine. Il était pas en bas là? Il est là. On va rester plus haut. Ouf, ouais. Y'a rien, y'a rien du tout. Voilà. Voilà, y'a rien. Ah ouais, tout va bien, j'ai non, mais tout va bien. Voilà. Il était où là? Continuez sur la route. Attendez, j'ai juste faim, 2 secondes. Y'a pas de soucis, mais moi j'ai très soif. Ouais, c'est un peu... Voilà.
Vous avez faim, vous avez... c'est bon? Oui, toi, vous inquiétez pas. Ouais, c'est où après, là recommander. C'était là à droite, ici à droite. Il était là, ce cadavre, mais il n'y a plus. Ok, prévu à les MS, il est à l'hôpital. Du coup, je pense que l'individu a été amené par une unité particulière, donc... essayez de voir l'hôpital si vous l'avez pas. Dis-leur qu'ils peuvent se brancher sur la Radio 4, au fait, hein. Et n'hésitez pas à venir à Radio 4, hein, si vous avez besoin. En précisant que c'est EMS, comme ça... En fait, le problème, c'est que nous, on peut même pas faire d'appel aux EMS, je crois, donc c'est... Ah oui, c'est pour ça, en attendant. Je m'embête plus à manger RP. Non, en fait, c'est que les gars, la bouffe, elle descend trop vite. C'est pas... C'est, je suis obligé de me heal comme ça parce que je crois que j'ai plus rien sur moi. Devant votre hôpital pour voir si ça marche. Et non, non, je me heal pas comme ça. Hein. Là, je vais mourir alors que c'est bête. La direction, l'hôpital, mon capitaine, on va aller récupérer les individus. Ouais. Voulez-vous mettre sur GPS le poste pour l'hôpital? Non, négatif, je connais la route par cœur, j'ai compté les places de Paris. Ça, vous êtes le meilleur capitaine, excusez-moi de douter de vous. Exactement. Et sacré villa par contre, hein. Wow. C'est vrai que la personne qui est dedans, on va avoir de la thune. Hein. En tout cas, Zoro 4, vous kiffez? Vous avez vu ce genre d'intervention où les gens font des un peu foufou? Bah là c'était un peu trop foufou, mais ouais, sinon là, on c'est est vrai d'accord. Que c'est vraiment pas mal. Vous inquiétez pas, vous êtes pas le seul à le penser, hein. Adam 10, ah oui, je pense aussi. Il a appelé qui en radio là? Je suis encore sur la radio, médecin, moi. Je vais repasser sur la radio. On a le droit, on fait partie des families. Ah oui, c'est vrai. Oh là. Je pensais que vous alliez vous transformer en avion là. Ah, en vrai, je rigole. Non, mais c'est que là, en fait, on s'est déplacé pour rien, en fait. Puisque le gars, il est plus là. Genre. Ouais, ça fout la haine. C'est quoi le chat? Aiden le tricheur. Ouais, les gars, putain. Je trichais réellement. Ouais. Et moi, j'aurais fait beaucoup mieux. La salle, il fera ses épisodes RP. Ouais, il en sortira. Bon, ça dit quoi, tu vas aller au truc ou honnêtement, j'aime pas envie de perdre de temps avec eux, mais En vrai, au moins voir son nom, prénom, c'est cas d'identité, c'est tout. Ouais, au pire. Bah, déjà, l'autre, j'ai entendu, il s'appelait Nelson, il a dit, donc sauf si c'était un blaze ou quoi. Je vais essayer de voir avec les trous et les collègues. De la 903, est-ce que vous avez récupéré l'identité des personnes qui ont sauté du pont? Bon, on peut me répondre, voilà. Hein. Ouais, mais je pense que c'est un peu blasonneux, je crois. Ouais, je comprends. T'es sûr que c'est où est l'hôpital? Bah oui. Il est là. C'est vrai qu'il est là. Bien joué. Oula, c'est quoi ça? Ah ouais. C'est quoi ça, là? Ah ouais. Ah oui, ok. Ouais, waouh. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Sympa c'est la musique. C'est moi le rookie qui a été bah ouais, moi aussi j'ai été impressionné quand j'ai vu ça. Ah ouais. La vraie question c'est est-ce que vous êtes millionnaire? Non. Voilà. Vous écoutez des musiques, vous êtes pas millionnaire. Vous avez reçu des patients là récemment ou pas? Non. On reçoit des appels mais 30 minutes en retard. Ouais ouais, et bah c'est nous. Donc, pas de soirée. Alors. On va juste y aller tranquillou, on sait jamais. Elles sont où les chambres des patients que vous recevez? Alors attendez, vu que moi je suis nouveau. Ça va être là, je pense. Administration, oh. Diagnostic, non c'est exit, ok. Excusez-moi, je suis nouveau, je viens d'arriver juste. Ouais, ouais, bon après. Ne vous inquiétez surtout pas. Prends ton taser, on sait jamais. Affirmatif, mon capitaine. J'ai pas le taser. Attendez, je recherche. Voilà, ah intensif, ça doit être ici. Ah ouais, peut-être. Ok, fouillez la zone, hein.
Ouais, négatif. Hein. Je l'ai trouvé. Non, je cherche partout. C'est en fait, je vous dis, notre patron il nous a pas expliqué. Il nous a juste montré comment. T'as pas fait la visite. Ok, non, mais ils doivent être là. Merci en tout cas. Si jamais vous les avez, n'hésitez pas à appeler en radio 4. Y'a pas de soucis, n'inquiétez pas, merci. Tiens, vas-y, conduis si tu veux. Oh, vous êtes sûr? Ouais, excuse-moi, c'est vrai, j'avais oublié, tu devais conduire. Oh, merci, merci mon capitaine. Ne mange juste pas de voiture, s'il te plaît. Mon capitaine, je suis un pilote. Allez. Moi, je me rappelle de toi, Goten, effectivement. C'est quoi ton micro, Aiden? C'est le Shure MV7. Ça va quoi, Onur? Y'a Onur dans le chat, Nassim. Ouais, il est en place. En vrai, il devrait venir jouer. Onur, il devait. Il veut pas me ramener un kebab de mort là, j'ai faim, mais faim, waouh! Aussi bien m'en envoyer un, aussi par la poste. Vas-y, balade-toi vers les familles, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Vous lisez dans mes pensées, mon capitaine. Ouais, oui, c'est ça le capitaine. Bah écoutez, on va se faire une dernière patrouille, hein, puis c'est tout, hein. Oui, au pire. Ouais, Galaxy. Mais par contre, Galaxy, il se passe des choses bizarres. Hein. Y'a des gens, ils sont sur des free access, c'est la vérité, hein, je veux dire, franchement. Les familles, là, deux fois qu'ils braquent, ils sautent d'un pont pour s'évader, c'est... C'est n'importe quoi. Là, ils vont rebraquer là, je suis sûr, ils vont retourner là le truc là. Ils vont continuer, tu verras. Tu sais que j'en suis sûr, on reste devant là, ils vont rebraquer la même. Bah, c'est sûr et certain. Dans combien de temps, je sais pas. C'est pas trop. Les balas, on les a jamais vus ceux-là. Attention, ils nous aiment pas trop. Hein. Ouais, je fais un petit tour. Là. Ah, il faut. Hein. Et par contre, Galaxy, il faut absolument, 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 absolument que les citoyens et tout puissent appeler la police et les EMS. Là, c'est nimp. On reçoit pas d'appel, les gens ils doivent venir au commissariat. Et il y a des gens, ils tournent en rond en ville, là, la vérité. Il y en a, ils veulent pas faire de métier aussi, là. Ça c'est un peu chiant. Hein. Ils veulent pas farmer, mais non, non. Je suis désolé, mais bon, faut. Voilà quoi. Ouais, ouais, mais là ils sont morts RP, mais ils ont interdiction de revenir directement dans le. Dans l'illégal. Par contre, les modérateurs là, faut vous réveiller hein, dans le chat. Hein. Y'a des gens là. Ils vont sauter en tant que modo. Hein. C'est quoi les gants qu'on connaît, mon capitaine? Je sais pas, Family, je pense déjà. Ouais, on les connaît très bien, même maintenant. Bah écoutez, ouais, hein. Je crois qu'on va retourner, essayer d'arrêter quelqu'un là. Oh. Qui t'arrête là? Je crois qu'il est parti. À gauche là-bas, vas-y, t'aurais dû me laisser conduire. À gauche là-bas là. Putain, mais tu te manges tous les trucs de mort. Oh, vous inquiétez pas, ça va. À droite. Déjà mettons en code 2 hein, parce que.
Ah mais t'entends les sirènes quand je les mets moi? Oui. Et là tu les entends là? Non là ils sont pas. Et là? Non plus. Là? Non plus. Ok. Vas-y reprenez la conduite. Allez, bah écoutez on va rentrer puis voilà ça va être une fin de service hein. Vous êtes avec moi? Je vais te monter derrière hein. Ah oui mais le problème c'est que là vous allez tellement vite que je vais m'envoler si vous. Je pense qu'il va y avoir la ville va être un peu en stand-by pendant un petit moment à mon avis hein. Ah, ce que je viens de dire hein. Il y aura des petits travaux dessus. Il y a des petits travaux qu'il faut hein, dessus hein. De toute façon, je vais le dire après. Bah écoutez, on va rentrer, puis voilà. Hein, de toute façon. C'est une petite soirée formation, c'était pas mal. Ouais, voilà. Au moins, on n'aura pas à la refaire quand on reviendra. Ça. Vous serez peut-être officier. Ah, je l'espère, mon capitaine. J'ai là. Allez, bonne soirée à vous! Mon capitaine, j'ai les armes, j'ai l'arme du suspect. Mettez-la vous dans le cul. Ah, bah, super mon capitaine. Le chat... attendez, je repasse en mode chat. Le chat, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous dire ce qui se passe en amont. Parce que je préfère être honnête avec vous, vous le savez. Donc voilà, je vais vous dire. Et de toute façon, je pense que vous l'avez vu, donc autant vous le dire la vérité. En gros, là, le serveur, en fait, il est pas, pour moi, il est pas abouti à fond. Je vous dis franchement, il y a trop de trucs qui n'ont pas été faits et honnêtement, j'ai du mal à faire semblant. Je vous le dis. Autant la police, ça se passe bien. Bon, c'est un peu long les formations et tout. Autant, franchement, pour le commissaire et tout, il y a rien à dire. Donc voilà. Moi, je pense que même si bon, le taf des devs, il est bien, ils ont quand même fait un truc potable, il faut qu'ils continuent à travailler le serveur. Donc, c'est possible que demain, après-demain, etc., il n'y ait plus de live pour le moment. Donc voilà, il y aura sûrement des lives sur autre chose, au pire, on verra. Mais actuellement, je vous le dis, le serveur n'est pas entièrement fini, en fait, pour ma part. Et je préfère être honnête avec vous, le serveur est très bien, il a un gros potentiel, mais il n'est pas encore réellement fini. Par exemple, on ne peut pas appeler la police. Merde, j'ai pas vu là, il y a quelqu'un qui a. Attends. Donc voilà, ouais, par exemple, vous avez vu, on peut pas appeler la police, on peut un peu rien faire, etc. Merci. Alors, je sais pas, il y a eu quoi là, les gars, parce que j'ai entendu des applaudissements, c'est un sub ça, non? Bon, ouais, j'ai pas vu. Merci en tout cas s'il y a eu des subs et tout ce soir. Mais voilà. Malheureusement, du coup, comme j'ai dit, les EMS, on peut pas les appeler, on peut pas. On peut pas recevoir des appels nous dans la police, ça bug énormément, il y a beaucoup de trucs je pense à revoir, donc voilà, je pense que du coup on verra ce qu'on fait nous de notre côté. En tout cas n'hésitez pas à venir sur Twitch, YouTube, venez sur Twitch sincèrement, comme ça on va pouvoir faire des lives un peu posés, etc. Merci en tout cas à tous les donateurs de soir, il y avait Sudetto et Nicolas, merci beaucoup les refs, merci à ceux qu'on sub, la barre là elle a plutôt bien augmenté honnêtement. Donc ça c'était cool, on a 47 subs, l'objectif c'est de 400, mais en vrai on va essayer de le faire sur le mois. C'est uniquement les subs Twitch hein, ce que vous voyez là. Voilà, je vais refaire aussi les modérateurs là, je vais revoir parce qu'il y a des choses qui vont pas. Et voilà, donc voilà, comme ça vous êtes un peu au courant de tout. Merci de suivre les lives, merci de suivre tout ça, et puis on se retrouve bientôt. De toute façon je vous tiendrai au courant, ça se trouve ça sera réglé demain, hein. Il y aura peut-être un live demain. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, partager évidemment comme d'hab. Et voilà, et puis on passera notre kiff. Merci de regarder, merci de kiffer les gars, hein, ça fait plaisir. Hein, je vous vois, il y en a, ils sont là depuis le début et tout. Merci en tout cas. Qui est là depuis le début dans le chat là rapidement? En tout cas, merci à vous. Et puis voilà. Un peu dégoûté de la dernière scène honnêtement. On dirait des Terminators, mais bon. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il faut savoir gérer, je peux pas faire exprès, hein, la vérité. Hein, vous savez à quel point, moi, ça se voit direct quand je prends pas plaisir. Donc, je pense que ça se voit, quoi. Et là, honnêtement, je prends plaisir au début, ça se passe bien. Et puis, quand il y a des scènes comme ça, ça donne pas envie, quoi. Donc voilà. Voilà. Bref, merci à tous. Bonne soirée, tout le monde. Kiffez, merci à tous d'avoir suivi. Peace. Et n'hésitez pas, les modérateurs, mettez la chaîne Twitch. Voilà, comme ça, c'est good.
Voilà, voilà. Je vais mettre une musique de fin. Est-ce que je vais manger un droit d'auteur? Elle va durer 2 secondes. Je vous le dis direct. Hop. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Voilà. Je sais pas si ça marchera. Merci à tous. Prenez soin de vous.